Alors les gars, je me souviens de la première fois que j'ai fait le couche-là d'Aura, le mec, le couche-là s'est retrouvé à terre tout le temps. Il n'a jamais été debout quasiment. Et bien, c'est tout, les gars, vous avez bien, je vous retrouve pour un nouveau live sur Battle for Rise en compagnie de Kylian, Brahim et Brie 4. Brie fort, s'il te plaît. Brie non, fort. Les anglophones. Toi aussi, tu casses les couilles, t'as dit 4 tout à l'heure. Bon, c'est pareil. Brie fort. Bah oui, c'est pareil, donc voilà, mais ne dis pas Nani. Ouais, c'est vrai. Enfin bref, du coup là, c'est du Kushaladora, du Valtra, de la Théostra, la mère de Brian. Alors déjà, si alors, vous voulez. Alors, Kylian, oui, bah je sais que vous m'attendez. Et alors, j'ai pas envie de manger, mon enfoiré. J'ai envie de manger. Personnellement, le mon live, je l'active. Ah, le mec, il a démoulé un kick tout à l'heure et maintenant il a envie de bouffer maintenant. Ça y est, c'est évidemment. Ah, tu peux garder ça pour nous, y'a pas de. Vraiment va... besoin d'aller ici. Oui, parce que le président, ça s'est commencé à 16h, mais on a un petit peu commencé à 16h16, donc avec 7 minutes d'ordre. Parce qu'on a un, il est en train de démouler un cake, vous l'avez deviné, c'était qui. J'ai tellement mieux le préciser 4 fois. Allez, 10, dans 10 secondes, je démarre mon live, moi. 10 secondes. Moi, je me suis aussi dans le mode de démouler quelque chose là. Allez, on a démouler un cake, voilà, il ne fait chier. Attends, il m'a pas mis ma pomme. Et bonjour à tous. Il du coup, bienvenue sur la chaîne de Louis 4. Alors, oui, ça a été renommé. Les deux sont attendus à l'accueil du pré. Arrête de te noyer, toi. Va te calmer. Bon, du coup, aujourd'hui. Alors, Kylian et Brian. Oui, voilà. Bah, on m'a pas vu. C'est un mot spécial, attention. Fort, fort, fort. Ouais, mais c'était, on dirait que t'as un Power Rangers, mec. Bah, oui, mais j'ai exactement dit la même chose en plus. Ah, bah voilà, on est d'accord. Go, 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 Power Rangers. Je suis en train de bouffer du chocolat noir, là, mec. On prend un live. Et ah, tout, voyons. Lourd. Moi, je mange toujours un live, mon pote. Kylian, je prends pas de potion. Bah, attendez, mon truc est vraiment fluide. Je suis à 131 FPS, tu vois, c'est. Ah merde! J'ai pris une méga potion. Oh, ouais, les go. Alors, le Kushala, il est. Attends, Kylian! Tiens, tu casses les couilles, hein! Ok, pas dans mon oreille, toi! Il a fait quoi, Kylian? Bah, il a pris deux potions! Ah, moi, bon, j'ai pris ma potion à moi! Ah bon? Les gars, vous avez pas le camp du. Bon, moi, j'ai pris mes 4 ou 2 potions, j'en sais rien, ce que j'ai, c'est que j'ai pris le petit sac et j'ai pris. Comment ça s'appelle? Et j'ai pris les kunai et la petite flashbang. Parce que j'aime bien les flashbangs. Quand je suis arrivé. J'aime bien jouer CRS, des fois. Qui avait pris les trucs, donc. Les gars, vous avez pas le camp de l'archipel de glace? Brand de gay. Le camp de l'archipel de glace, je ne crois putain, pas. J'ai pas mangé, c'est pas grave. Faut pas manger. J'avais pas faim. Putain, mais l'armure du Magdamalo, mon pote, elle est tellement stylée. La... Ouais, mais elle est à côté de l'armure du Valstrax. Quoi? Non, elle rivalise clairement, mec. Toi, t'es à Power Rangers, moi je suis un samouraï, c'est tout, sois pas jaloux. On n'est pas dans non, la... Je préfère quand même celle du Valstrax, hein. Après, on n'est pas dans la dernière tour. Espèce de gorille doré, là. Comment on joue, déjà? Comment on joue? C'est vrai que toi, ça va moins que t'as pas joué. Mec, attendez, les gars, juste... Les gars, je vous laisse un peu gérer, je vais vite retourner au camp bouffer parce que... Merde, je me suis trompé de touche. Non, Brian a oublié de bouffer. Mais non, mais mais quel trou du cul. Ah non, mais c'est vrai, faut pas qu'il est là d'abord. Est-ce que la touche pour frapper? Oh putain, la touche pour frapper, mais tu te fous de ma gueule, Enzo. Ah, c'est A. Oh putain. Je sais pas si tu passes le policier, bonjour. Putain, mais... Ça descend de ton perchoir, toi, merci. Alors attends, c'est quoi ça? Increase damage, Del Kunai, ça me sert à rien. Vraiment oublié, en fait. Ah, c'est bon! T'as le genre d'anglais, toi? Bon, vas-y. Ouais, j'ai le genre d'anglais. Non, il peut pas manger, Brian. Tu casses les couilles, Brian. Hein. Mais si, c'est Brian, mais Brian, il est en train de manger, là. Ouais, attends, c'est bon. J'ai une mouche, mec, en train de m'agresser sur ma manette, là. C'est bon, allez. Pas de problème! Les gars, je prends une mouche, en train de marcher sur moi. Mais moi, je vais aller faire agresser par où la un dragon qui va l'engueuler. La vraie vie, il affronte une mouche. Mec, avant elle va appuyer sur un bouton, je vais crever. Non, peut-être pas non plus, mais. Alors, les gars, j'ai des méga démon drogue et des méga démon skin. En gros, c'est le truc pour améliorer ma défense et mon attaque. Donc là, normalement, on est censé le défoncer. Oui, les potions de démon plus, des trucs comme ça, je les connais, j'en ai avec moi aussi. Oh, j'ai encore envie de manger mon chocolat noir. Bon, allez. J'ai envie de faire une blague, mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, on va pas abuser avec non plus.
Ah, ta mère. Oh putain, ça, ça revient à rien ce que j'ai fait. Non, 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 non. Oh, non, j'en ai plus. Oh, c'est nul. Il n'y a plus de potions de. Les gens, fais attention aux méchants qui avaient une niquer nos races. Comme le couche à Daoran, moi, je suis Monster Hunter. Bienvenue dans le combat contre le couche à Daoran. Se prend des tornades, se prend des tornades, se prend des tornades. Ça part en petit aiguisement et un petit bout de chocolat noir. Ah, même. Alors, le couche à. Bah, personnellement, je suis déjà sous le couche là, moi. Ouais, attends, je bouge un peu mon chocolat et j'y arrive. Ah, il y a un serpent là, qui m'agresse, sur la tablette, là. Bordel. Putain, il a bougé le connard. Ouais. Ah ouais, il a bougé, c'est vraiment un fils de. Je le comprends, en même temps, je suis venu lui mettre une grosse. Merde, c'est là. Une grosse bastos. J'aime merde, bien. Ça que... Je me retourne, je vois quoi, 5 tornades qui sont en train de voltiger. C'est rien, la route. Ça belle journée, hein. Belle journée, hein. Il y a pas juste 5 tornades qui sont passées, mais au calme, non, pas du tout. Alors, bonjour, au revoir. J'ai juste failli me faire cycloner la gueule, mais. Mais voilà, tranquille. Non, ça va, je suis en face. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, demi-tour. Aucun demi-tour. Non, je prends un petit. Oh, il y a d'autres équipes pour te plaindre de t'être fait quasiment. Il y a Magnamalo. Oh, combat. Combat gros, il saute dessus. Qui prend le Magnamalo? Moi, je prends le couche à la Daora, je l'ai dit. Moi. Pour le maillot, je prends bien le Magnamalo si personne le prend, mais à voir. Alors, je viens juste de me faire exploser la gueule d'une heure. Moi, je laisse les monstres, j'en ai rien à foutre. Allez, le Magnamalo là. Ah, voilà, Brian. En vrai, c'est chiant parce que j'étais en train de dire autre chose donc j'étais même pas dans le combat en fait depuis tout à l'heure. Explose-le, Brian, explose-le! C'est ce que j'ai en train de faire! Enfin, la garde de territoire, on l'a déjà vu, N2 en vrai de vrai, la garde de territoire. Bah, justement, juste avant, tu vois, au moment où t'es mort deux fois. Oui, et alors? Je lui ai dit qu'il y avait un combat, c'est tout. Ouais, bah écoute, c'est quand même bien, toi, de la revoir et de voir un beau petit carnage. J'avoue. Ouais, donc cette fois-ci, comme du coup, c'était pas moi qui étais là, bah c'est N2 qui s'est fait prendre dans l'explosion des deux. Mec, c'est pas joué. Ah merde, du coup je frappe dans l'aile, normal que je peux pas continuer le combo. Vas-y, moi je suis en train de trancher la gorge à ce couche là. Oh, attention, il va y avoir une corps qui s'éloigne là. Oh, oh bah écoutez, vas-y, je suis au chelou. Vas-y, vas-y. De toute façon, je les colle. Envoie-le sur T-Rex. Bah attends, disons, je viens me battre un peu. Enfoiré! Enfin, c'est pas le punition, on veut dire. Regardez qu'elle va encore faire sa mouture encore une fois, parce qu'il voudra trop grid. Hein, Kylian? Envoie-le sur Tigas pour aller avec un couche là. Comment on bouge? Vas-y, fonce lui. Cariudo là, oh! Allez, gros, fais ton taf là! Bah, je l'ai eu là! Voilà! Bien joué! Nyaio, t'es nul, Cariudo! Attends, pendant qu'il y a le Tigas qui est en train de défoncer le couche là, moi je mange mon chocolat noir, voilà, moi je vous regarde. Mais vraiment, ok, donc en gros, le mec il sert à rien dans le combat pendant que nous on fait tout. Exactement. Ouais, ouais. Non, c'est pas le moment là, on va, là je vais le rendre vulnérable donc maintenant faut le frapper quoi. Laisse-moi bouffer, connard. Bah, bouffe après, connard. Quel connard. Les gars, manger un bouffé que tu manges, c'est pour te heal, connard. Mais on sent un peu trop de connard dans ce live. Le mec il mange H24 quand même. Et il prend pas un pec de gras, mais c'est pas grave, ok. C'est pareil pour moi, mais. Kylian, on est d'accord. Mais bouge là, espèce de balsac de merde. En vrai, globalement, Enzo, Brian, il vient de me décrire moi aussi, hein, en vrai, globalement. Bah, je sais pas, moi, j'ai décrit Enzo, en fait. Mais Enzo, quand même, on en parle quand même des 3-4 courses en 5 jours, frère. Oui, mais non, mais ça, c'est courant, ça. Mec, je bouffe un tacos par semaine, viens pas me parler, s'il te plaît. Mais c'est pour ça que je viens de dire, c'est courant. Tu manges ton vie, Enzo. Oui, et tu prends pas un pec de gras, on en parle. Bah normal, ça s'appelle un métabolisme qui est en pleine croissance, qui gère donc bien la graisse, et donc... C'est à moi qui veux dire ça en vrai. Ouais, non, je le seul gros, on parle pas aussi de Brian quand même. Ah, dans la bande, c'est le seul qui prend du beat parce que je bouffe des trucs genre voilà. Les autres, ils assimilent extrêmement bien le truc et puis voilà, c'est bon. Y'a là, petit con. C'est vrai qu'il y a un kunai empoisonné, oui. Ah, ça va. Qui est, était dans le cul du monstre. Alors, mon marteau est dans son cul, tout cas, ses éléments. Est-ce que du coup, ses pés font des grosses tornades. Yann, du coup, tu réponds à la question. Des pés de dieu. Frère, le pé de dieu. Vous êtes trop question à la fin, là, il y a un autre qui me demande s'il pète des tornades, le connard, et Brahim me demande un truc que j'ai même pas entendu.
Non, en fait, c'était la phrase en gros sur mon truc, quand je prends une potion, je te rappelle. Oh putain, mais c'est un bon, je coca, t'en veux un ou pas, Kylian? Bien sûr. Non, mais le monde, il me focus, moi, là, j'en ai marre. Bah, mec, il voit Power Rangers rouge, forcément, il fonce. Sauvez Brian, tu me diras. Ah, tu me diras, c'est le dos, en fait. En même temps, il frapperait pas Brian, parce que s'il frapperait Brian, ça serait un peu un homophobe, quoi, tu vois. Hein? Un quoi? Hein? Non, rien. Dégage. Non, Kylian littéralement frappé un mec d'une manière extrêmement violente. J'étais dans le point de choper des petits poissons pour avoir des boosts et là je vois quelqu'un qui me donne un gros coup dans la gueule. Mais non, laisse tes poissons en vie! Alors, en vrai, pour toute honnêteté, je visais Enzo. En toute honnêteté, il y a limite, moi, sur mon écran, c'est tellement raté, il a visé Brian. Bah ben, tu vois, ah, mais... c'est pas comme si vous étiez loupé avec le respectable de bête avec Badinou et Zoro. Aïe! D'accord, j'ai tous ces systèmes. Ah ouais, littéralement, Kylian m'a dit laisse l'écosystème tranquille. Kylian, déjà, comment il charge son marteau? Mon je vais t'arriver dans le cul et tu vas le sentir passer, FDP. Mais t'as trop raison, connard, quoi. Oh, moi je pense qu'il est mort. Oh bah, bien joué, okay, je voulais. Je sais pas si qui lui a envoyé la flèche. Il attaque à la beuglette. Ce monstre est fou. Non, je me rappelle d'une scène où j'ai... Attends, connaissant Ken et Enzo, ok Brian, t'as lancé une flashbang GG. Parce que j'allais la lancer aussi de toute façon, donc en fait, j'ai bien fait de pas la lancer. En fait, j'ai pas lancé ce flashbang, c'est mon palico. Ah, c'est ton palico. Ah oui, donc bien joué ton palico, du coup. Oh, les gars, j'ai empoisonné. C'est le but du palico. Je l'ai empoisonné. Un moment, mon palico, c'est un palico healer. J'ai esquivé un cri, les gars, grâce à une roulade. Attends, Brian, toi qui connais peut-être un peu mieux le jeu que nous, là, actuellement, comment on fait pour avoir des tickets de custom... Enfin, de... Comment on appelle déjà? Je sais plus c'est quoi le nom. Des tickets pour avoir des armures... Mouches, Vraiment, la mouche qui m'a harcelé tout à l'heure, elle a pris pour un red boss d'en haut, quoi, putain. Enfin, tu vois, en gros, tu vois, Brian, en gros, j'ai l'armure du Magnamalo, mais c'est pas elle que j'ai en vrai, c'est l'armure du Rajang, tu vois. Ouais. Mais du coup, comment on fait pour avoir des tickets pour avoir des trucs comme ça? Parce qu'en fait, j'en ai plus, mais je sais pas comment en récupérer en fait. Bah, pour le coup, je serais pas très bon parce que ce ticket que j'ai utilisé. C'est en terminant des missions là, normalement, avec les nouveaux mobs là. Ah, c'est seulement en terminant des missions. Et là, on avait regardé sur internet Enzo et qu'on avait vu que c'était en faisant des missions qu'on passe au truc style le chamélo et trucs comme ça, tu vois. Dragon ancien. Ouais, puis c'est. Et c'est les 4 events, à mon avis, ça peut peut-être remporter des tickets. Oh putain. Vas-y Kylian. Oh non, Kylian. J'ai senti passer celle-là. Sur mon écran, Kylian l'a volé. J'ai senti passer ce coup. J'ai vu comme il a chargé sur un truc, d'un coup il a eu un gros BAM. Bonjour. Mais c'est éjecté à l'eau. Oula. J'ai vu Brian qui a mis un gros coup à Brian, mais c'est pas grave. Un peu là. Moi j'ai entendu Brian qui a mis un gros coup à Brian, mais je pense que c'était Brian. Tu dis Brian, connard. Ah, non, ça va. Ça va, tranquille, et toi? Moi-même. Je ça va, ça va. Tu m'en diras des nouvelles, Ken, un petit peu du vieil que mettre des coups à moi-même. Ah, on s'entend trop tard. Ouais. Putain, y'a un Power Rangers qui se balade là. Bah ouais. Putain, mais il y a un coup de riff en mode de dégage. Les gars, pensez à aiguiser une fois qu'il part. Oh Brian, en fait, sans le vouloir, t'as fait un combo avec moi. Hein. Bah écoute. Ah non, il focus le... Focus le homo. Mais je t'emmerde. C'est homophobe ce que tu dis là. Non, bah non. Pourquoi tu... Comment ça c'est homophobe? J'ai pas ajouté des homos quoi. Il y a vraiment forcément homo et jerk. Les gars, il dit ça par rapport à ton armure, je pense, mais bon. Oui. Ouais, en gros, t'as Power Rangers, t'as l'homo, t'as le gorille et t'as. Ken, plutôt. Alors. Ce que je sais très bien, c'est que, genre, qui dit homo, c'est pas par rapport à la vraie vie, ça, je sais très bien. En vrai, Brahim, il fait plutôt penser à Doflamingo. Ouais, c'est ça, en vrai. Doflamingo. Non, mais avec l'armure Mizutsu. Tiens, je sais pas, Ken, c'est un perso de One Piece. Mais non, mais oui, je sais que tu parlais par rapport à son armure, mais. Ouais, enfin. Si tu veux. Kylian est en train de faire des flamingos. Kylian, lui, c'est Son Goku Super Saiyan 3. Moi, je suis Shogunian. Oui, j'ai pas trouvé autre chose. Et Brian, c'est un Power Rangers. Non, Brian, c'est un gars là, de Neo Genesis Evangelion, voilà. Hein? Les gars, je vais pas me taper droit d'auteur. Je sais pas, c'est un mec qui pourrait être dans Neo Genesis Evangelion, mec. Non, c'est... Bah alors, pas du tout, mais Rangers. C'est pas grave, parce que... Les personnes Evangelion, ils ont des tenues moulantes, en fait.
Bah, il a une tenue moulante, quoi. Non, là, non, là, il a pas une tenue moulante. C'est plus du métal, en fait, là, non, en vrai, on dirait plus une sorte de Goldorak miniature, là, en fait. Goldorak dragonique miniature. Bien vu, bien vu. Ça, c'est bien vu. Ça fait un peu mal une chair de dragon dans la gueule, les gars. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est vrai. Je bois un coca, t'en veux. Par contre, là, il y a des petits trucs qui tirent quand ça m'énervait. Il y a des petits les gars. Putain, Brian, me souviens de toi. Aïe, je viens de. Oh non, il va me tuer. Ah non, c'est bon. J'ai eu la chatte. Oh non, il me focus. Non, il me focus. Les gars, regardez, les gars. Il y a des cerfs qui viennent sur le terrain. Mais ne m'a pas quand je passe tout ça, on va mentir. Les gars, il y a des gens qui viennent sur le terrain pour nous faire la peau. Voilà, là, je suis c'est caché, il me trouvera jamais. Alors, Enzo, je sais pas si tu peux venir 3 secondes sur mon point de vue, tu vas rigoler. Attends, parce que j'ai peur, en fait. Ah non, il a des pop, du coup. En gros, en fait, il y avait un Anteka, mon pote, j'ai pas compris. Il était sur le côté et... Oh non ! Mais Brian ! En gros, les gars, ce que j'ai fait un philoptère et enfin, je voulais me relever. Et là, pas une tornade qui est devant moi. Putain ! Wow ! Ouais, qu'est-ce qu'il vole, Brian ? En gros, je l'explique. En gros, je vais faire une tornade pour me taper une autre tornade. C'est que je suis en train de faire ce tal Tadienzo, je suis en train de faire un petit... Mec, dépêche un monstre devant le couchage d'Aura, tu sais. Merde, alors... Oh non, non, non. La mer. Allez, les gars, c'est qui troisième? Je suis pas mort parce que j'ai fait ça. Enzo, c'est qui troisième? On donne une mauvaise gueule à nos viewers, là. Mon Brahim, ouf. Brahim a eu chaud, là, parce que le monstre, il a foncé, mon gars, il l'a... Enzo, il m'a balancé la plus grosse tornade de l'univers, gros. J'étais en pleine esquive, mais il veut pas. Pour lui, il est un peu grand ce couchage d'Aura. Hein? Il est un peu con? Cool. Merde! Non, c'est pas une couronne en or, c'est plus une couronne d'argent, Amy. Mais tu sais quoi, voilà? Viens là, si tu veux de la viande crue! Attends, je m'en veux quoi à l'or, dégage putain! Oh. Ah, j'ai étourdi! Il est au sol! Non, étourdi, ça l'est pas au sol, c'est. Oh, ah non, c'est. En gros, je lui donne un coup dans la patte, un 70 dans la patte, ça fait mal ça. Sortir pas assez souvent. Ok, ta barre de vie, faudra un petit peu que tu recharges, on sait jamais, ok? Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Parce que je peux te dire, mon pote, qu'il couchait à Daora, il peut vraiment te one shot. Donc, Oui, bon, ça dépend. Attention, ça peut mal se passer, oui. Non. Moi, je trouve qu'on sous-estime un peu trop le couchait à Daora. Bah, donc, c'est sûrement. Non, si on rappelle le fait que vous venez de mourir tous les deux en moins de 30 secondes, ouais, quand même. Ah oui! Disons que oui, il y a peut-être un petit peu de sous-estimation là pour le coup. C'est après. Ah bah d'accord, j'arrive, il se barre. J'aurais de prendre l'épée et les bouclier et lui faire des gros shoryuken. Ouais. Toi t'es vraiment un malade. Putain, mais j'allais dans le mauvais sens, je suis 11€ moi. Mais qu'est-ce que tu branles le Power Rangers? J'allais dans le mauvais sens. Et je prends un petit raccourci. Et yo, go. Alright. Exactement. Alors. Mais je voulais pas le dire au cas où parce que. Quelle arme pourrais-je bien prendre? La lance? Non, pas du tout. Un arc, c'est qu'en plus j'ai hésité. Hein. Non. La dernière fois que j'ai pris l'arc. Toi, prendre un arc. En vrai, j'ai pris l'arc du Kedou, les gars. De quoi? On lui prend l'arc de l'abomination, les gars. Oh putain, c'est moi, il y a un Brahim vitesse lumière qui vient de passer. Ah, là, Edo, il m'a provoqué cet enculé, j'en ai rien à foutre. Non, c'est moi qui l'ai provoqué. Non, les gars, il y a un petit gars là qui arrive. Attends, je prends quoi, moi, vous avez dit? Les gars, y'a Magna Malo qui arrive, faites gaffe, ok, on sait jamais. Ah, mais ils vont pas se battre là, si. Non, voilà. Ils peuvent se rebattre, mais ils pourront pas. Regarde comment ils vont se battre. Ils vont pas se battre. Eh non, ils vont pas se battre, ils vont pas se battre, ils vont pas se battre. Ouais, mon cul. Ah bah, non, ils font des câlins. Ils se montrent leur âme, ils s'aiment pas. Aïe, pourquoi les petits combats? Ils s'aiment pas du tout. Je veux qu'on m'explique pourquoi c'est toujours moi. Bah, d'accord. Mais non, mais Brian, t'es chiant, je voulais encore le chevaucher, t'es casse-couille. Bah, c'est Brian, mec. Le Magna Malo. T'as déjà chevauché une fois, je m'en fous, je chevauche le Kushala alors. Vas-y. Les gars, est-ce que vous voulez tenter la narwa mère de tous aujourd'hui? Non, bon, déjà, moi je veux bien, mais... Track, déjà, parce que j'ai envie de voir un putain de comète qui arrive sur notre gueule. Oui, je suis Sadomaso. Sadomaso, mais une fois quoi, tu sais. Mettez une météorite dans la gueule et après il meurt. Les gars, on a pas quand même de la chance, on a eu 2 guerres de territoire en une game. Ouais, c'est très beau ça. En gros, j'ai pas eu le temps de faire le Punisher. Et en plus, c'est dans live, donc ça c'est vraiment beau. Par contre, Enzo, on m'explique pourquoi dans la précédente live, quand j'étais là, à la fin de la guerre des territoires, les deux me sont tombés dessus. Et là, la première fois quand j'étais pas là, c'est sur toi, et la deuxième fois, c'est sur moi, quand j'étais là, comme par hasard. Ouais, chaque fois que je suis là, ils ont envie de me tomber sur la gueule. Ah, faut faire attention à ces deux-là, parce que franchement, c'est.
C'est des putains de machins. Je sais pas, les deux, au début ils se fight, ensuite c'est des bons. Mais c'est vrai, on a une dent entre lui, viens, on prend vite fait sur lui hein, durant 3 secondes. Ouais yes, non, Brahim. Bah, Brahim, le bouton, esquiver n'est pas un obstacle. Je me tais. Je parle de celui qui est mort toute la dernière fois. Merci beaucoup. Bah écoute, bah, un partout, hein. Allez, la bête. Au revoir, la manette. Je suis pas mort cette fois-ci, moi. La belle. Pour te dire, j'avais un arc sur la fin, donc pas compliqué. Mais t'as vraiment pris l'arc? Oui, je l'ai vraiment pris. Tu m'as chauffé, mec. Ah, d'accord. J'ai vraiment pris à cause de toi, du coup, au final. Frère, le mec, je l'ai influencé, mais en faisant une blague, quoi. Juste en parlant du fait que moi je suis en arme de corps à corps en mode bourrin général. Ta mère. Parce que je prenais une fusée arbalète. J'ai le Valstrax dans le peine de sable si vous voulez. On couche là. Le Valstrax, moi j'ai pas fait. D'abord. Après le Valstrax comme ça il me donne un max d'XP. Ah mais j'arrive. Direct tu fais un Gen V 40 et voilà. Alors Enzo, à une condition, tu survis. Quoi? À une condition, mais tu survis. Il attaque avec de la glace, le Kushala, ou avec du l'élément dragon? Il attaque avec du vent, frère, la gueule! Il y a un moment, mec, il m'a mis un fléau glace, donc écoute, c'est possible, hein, il peut peut-être attaquer avec les deux. Allez, gars, il a pas d'élément? Ah, d'accord. Demande bien ton armure pour Rangers, Brian, attends bien. De quoi? Demande bien ton armure pour Rangers. Attends, bon. J'aimerais bien la voir. Sinon, les gars, vous voulez savoir en fait comment je me suis fait éclater en gros? En fait, j'étais dans mes menus pour prendre une potion, et au moment où j'allais prendre la potion, il a commencé à me dash dessus. Mais mon perso, comme un con, j'ai lâché la potion et de faire une clocoptère, il a décidé de continuer à boire sa potion. Tu ressembles à un LBX. La vérité. T'es un LBX, mec. Un quoi? Un LBX. Il y a que Brian qui peut comprendre. Mais Brian, tu regardes bien, on dirait vraiment un LBX. Un quoi? LBX. Quand tu regardes Brian, on dirait un LBX, Brian. C'est quoi, LBX? Montre. Ah, ça va, t'as la même réaction, quoi. Ah oui, j'avoue. Attends, il est où, je le vois pas. Il est où? LBX, c'est un animé, je sais pas. Ouais, bon, je vois pas du tout. Vraiment LBX. Mais ça reste stylé comme armure. Je suis d'accord avec toi. Je dis que t'avais armure du Magnum. Par contre, Enzo, la mort, en gros, c'est juste parce que le Kushala d'Aurel a eu de la chatte. En gros, au moment où j'étais en train de prendre ma potion, il m'a posé dessus, donc j'ai pas pris, j'ai assez de points de vie. Il m'a niqué, et comme il a vu poser sur moi, je voulais utiliser le pilocoptère, on me perso avec l'animation de la pilocoptère, il s'est pris, voilà. Il s'est quand même pris dans la gueule. Il n'a pas eu le temps de se barrer. Bon, voilà. Dis donc, Brahim. Tu restes à mon rail. Pourtant, le live a l'air de plutôt bien tourner de mon côté. Donc, comment on pourrait dire? Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de changer. J'ai oublié de prendre mon palier. Brian, bon, lui, c'est un Power Rangers, LBX, ce que tu veux. Kylian, c'est un Gen un peu. Alors, ta gueule. Ah mais ta gueule, c'est vrai. Mais Brian, ça pourrait être quoi en fait? J'arrive pas à voir qu'est-ce que ça pourrait être. À part un danseur de un danseur aquatique de Black Clover. Après, Brian, si t'as des suggestions, propose-nous une sélection de classe de guerrier. Enfin, ta classe de guerrier. Moi, j'ai pas d'idée, je comprends. En fait, indigène, c'est vraiment une classe de guerrier pour toi là? Bah, indigène, enfin, plutôt si tu veux, comment dire, guerrier tribal ou des trucs comme ça, tu vois. Alors, tribal, pas sûr, plus, je sais pas moi, guerrier poilu. Mais je vais te récupérer une lanterne. Bah, guerrier tribal et poilu, ça revient un peu au même, non? Non, mais dans les deux cas, c'est dégueulasse. Non, je déconne. Quoi? Non, les guerriers tribal, ils sont stylés. Tu as bien le coucher, il était en train de faire du vent, là. En fait, il fait du vent. Les gars, vous pouvez m'attendre, j'ai plus d'endurance pour charger avec ma lance. T'en fous. T'inquiète, le nid. Si Enzo est mort en moins de 20 secondes, les gars, je pète de rire, d'accord? Bon, j'y crois pas trop non plus, faut pas exagérer. Suite à un rototo du coup, hein. Suite à un surplus de confiance. Aussi. Gaston, reste sur le tu vois, lui, il m'attend, il est gentil, tu vois. Chargez. En fait, le projectile de vent qui vient de lancer là, ce truc fait masse dégâts en fait. Alors, Gaston, c'est bon, tu t'es fait littéralement exploser la gueule. En fait, je m'attendais à avoir le temps de le frapper. Le mec, il s'est fait le plus gros coup de sa vie. Merci Brian, c'est gentil, mais je suis pas. Oh les gars, je me fais la tornade, mais j'ai aucun dégât. Bah non, Brian. Pour nous là. Ouais, mais le peu de bol, mon gars. Tu sais, je charge pour m'éloigner un peu, et là, tu sais, genre à un moment, je tombe sur Brian directement. Ouais, mais non, mais. Brian, mais couvre-mi, Brian, couvre-mi. Je peux pas, je me heal.
Putain, il a fait le tuer. Ouais, t'es notre tank là maintenant. Ah bon, je suis un tank maintenant. C'est moi le tank. T'as pas dit que tu faisais 0 dégâts le prochain là? Écoute, je m'en fous, je tape seulement moi. Bon bah qui a le tank pour nous là? Mais gros, mais je vais à 2 à l'heure, tout ça, j'ai rien pour tank, j'ai un bouclier. Tank pour nous, putain! Après j'ai la lance, donc bon, en vrai... Ouais, j'avoue. Donc là, je suis vraiment tank, c'est le pire. Vas-y, frappe. En même temps, je choisis pas qui l'attaque, hein. Ça faudrait un truc pour faire justement ce que tu veux dire. Ah, Mirage, je peux l'accrocher à moi, mais à chaque fois il s'éloigne, du coup il arrête de m'attaquer. Genre là, maintenant, il va l'ajouter. Ah, Brian! J'ai bien fait beaucoup mot, les tornades. Ah, toi aussi, tu t'es fait toucher comme une merde. Mais Brian, pourquoi il bouge pas maintenant? Ouais, je regarde un petit truc. Putain, le mec est en plein milieu. J'ai pris aucun dégât, les gars. Le mec est AFK. Mais regardez, j'ai perdu quasiment aucune vie. Brian, voilà, mais attends pour nous! Ah, et Dodge by Diagnostic, voilà. Défonce ce putain de Kushala et lui nique sa grosse mère. Je parlais à mon lancer. Les gars, cover me en fait. Ok, j'ai un 2. Nope. On attend pour avoir le 2 et voilà. Ok, parfait. Ah, putain, je suis encore obligé d'utiliser. Oh non, dommage qu'il se bat, il y a le Magna. Non. C'est tellement dommage. Alors je suis en train de prendre des depuis tout à l'heure, aïe. Et toi Enzo, ouais, qui aime le galérien. J'ai pas fait attention, mais en fait ton personnage a arrêté de tourner. Parce que mec, c'est un camion, le truc qui est un dérapage, ou bien mec, c'est... C'est très bien. Je me suis inséré en lui avec mon arme. C'est exactement ça. J'ai une très longue lance. C'est serré au poteau. Kian aime bien les poteaux. Hein, Kylian? Ah, mais je sais, vous pourriez dire limite. Ah, le voilà! C'est bon, je sais, tout le monde. Mais on est que des entre les deux. Bon, écoute, j'en profite pour aiguiser mon arme. Non, pardon, mon ange, excusez-moi. Je me suis mis à aiguiser, mais en plein milieu de la trajectoire des poissons, du coup, ils sont tous mis sur ma gueule. Personnellement, j'ai même pas besoin d'aiguiser. Oh, mais. Genre, un tangent blanc et un tangent rouge. Toi, t'es mort, toi. Oh, il y a un autre élan! Vous entendez le petit orage, les gars? Ouais, j'ai entendu. Franchement, j'ai pas entendu vu comment j'étais concentré là. Ouais, moi, je m'en vais, j'entends. Mais putain, il a esquivé parce qu'il a décalé sa patte, ce connard. Oh putain, McNamalo, tu gères, t'es un pro! Il dit ça alors qu'en vrai, dans la réalité, McNamalo il se fait battre. Ouais. Bon, en vrai, c'est quand même serré, mais je suis quand même étonné que le McNamalo se fasse un peu battre par le Kushala. Alors pour moi, quand même, McNamalo, il a beau ne pas être un dragon ancien, je trouve qu'il a la force physique pour le battre. C'est chaud là, Esquive. Ce mec faisait que de me viser ce bâtard. On prend l'élan. Non. Hop. Il touche le front. Merde, il y a quelqu'un à la stade, mais vous me cassez les couilles. C'est bon, j'ai mis un tout dans sa tête, faites ce que vous voulez avec. Tigre. J'ai mis coupé au cas où vous vous demandez. Je suis ridicule là. Alors, Enzo, c'est quoi cette vitesse? On m'appelle Michel Bolt. Les gars, vous êtes dur de Michel Bolt, mec. Par contre, est-ce qu'on aura le temps de le taper au moins le coup? Ouais, attendez, Mirou, quand même. Mais putain, j'ai même pas passé. Oh, j'en ai marre. Je suis à pied, mais j'ai quand même ma lance, quoi. Quelqu'un peut venir? Bah, justement, c'est toi qui vas trop vite. Brian, attends de jouer. Oh, bah écoutez, la tempête reprend là. Il est où l'autre? Ouais, je suis derrière toi. J'arrive. Wow. YOLO. Putain, Brian, à toi, bordel. Il touche le front. J'ai fait trop mal. J'ai plus de méga potion. Putain, mais vous criez comme jamais. Bah écoute, ça allait pas jouer avec nous. On crie trop, mec, on est des chasseurs, bordel. Mec, j'adore, je vous entends. Vas-y, Brahim, nique lui sa mère. N'oubliez pas que c'est en cours. Ouais, il s'envole. Ah non, pardon. Enzo, viens avec moi. Comment ça, viens avec moi? Viens avec moi, Enzo. Non, mais dans cette phrase, vous avez une phrase de gros pédophile. Non. Pourquoi tu penses à ça direct, toi? Bonjour. Vous savez comment il a dit? Viens avec moi. C'est toi qui a dit ce que va passer. Il a pas dit comme ça.
Si, tu viens avec moi, tout con. Je suis là-bas, non. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Viens avec moi, viens. Ah non, il a dit viens avec moi. Viens avec moi, viens. Mais c'est juste sa voix de base qui t'a donné l'impression, je pense. Ah, c'est bon, il l'a donné. Attends, range ça. T'en es vraiment là. Merci, mec. Ah oui, mais comment ça peut être dehors? Vas-y, Ferrok, frappe-moi là, frappe-moi! Non, c'était une blague, c'était une blague, me frappe pas, me frappe pas. C'est bon, tu veux me dire ta gueule? Moi, totalement. Ah, d'accord. Aïe! Putain! Je vais 1000, ça me semble être juste. Brian! Ah, ouais. Tu veux quoi, toi? Pourquoi t'as pas de tank? Parce que j'étais en train de tank. C'est quoi ce pouvoir là qui vient d'être stylé? C'est, il a juste crié. Ah, d'accord, frère. Parce que j'avais vu qu'il s'est pris un projectile, genre une sorte de. Ouais, comme nous, Enzo, depuis tout à l'heure, là, on crie aussi. Mais comment elle touche? Je suis en dessous de ton cou! Enzo crie au scandale. Mais oui! Attends, c'est juste ça, c'est Capcom! Capcom remboursé! Bah, ouais, qu'est-ce qu'il dit, couille ce con? C'est un peu tard pour rembourser, là. Ah, ouais, là, ça bah, fait. Bah, non, ils vont rembourser le DLC qui est pas encore signé, je vous baisse, et le jeu. Ah, oui, voilà, tu jettes et tu rembourses direct. Oui, je sais, je vais me rembourser le DLC alors que je l'ai même pas encore payé. De toute façon, ce sera même pas un DLC, hein. Ce sera un truc gratuit, tu vois. Mais c'est vraiment un DLC, payant. Moi. Il sera payant, mais il sera à la limite le contenu d'un jeu, comme Ace Band. Du coup, j'ai. Ah ouais, ah ok. J'ai hâte des nouveaux monstres de Sunbreak, hein, franchement, je. Mais c'est ça, par contre. Non, par contre, pour le nom, ils ont pu prendre mieux. Ils ont quoi? Pour le nom, ils ont pu mettre un meilleur nom. Sunbreak ouais, non, c'est bien Sunbreak. Ah non, pour le monstre. Ah, franchement, je dis le nom, on s'en bat les couilles, le monstre qui apparaît dans le trailer. Ah, il y avait déjà son nom. Non, mais ils l'ont mis dans leur jeu. Enfin, mon... En fait, ils l'ont pas mis dans le trailer officiel, mais ils l'ont mis dans le trailer. Merci de. Déjà, je galère à avancer si tu m'as fait perdre du temps en me frappant. Merci, connard. Je crois que ça s'appelle le Malzano, un truc du genre. Le Malzano. Ou le Malzano, je sais plus. Le Malzano. Le Malzano. Qu'est-ce qu'il parle? Bah, je saute au-dessus du monstre, mais apparemment, je suis trop lent. Attends, je cherche mon déguisoire de mon arme, voilà. Il va prendre le truc, mais le dérapage c'est trop serré. Attention qu'il y a le drift. Oh là là. Et moi, en train d'affronter le monstre pour l'instant. Oui, et j'arrive pour lui mettre mal au gros se lance dans le cucu. Biche. Moi, j'arrive. Non, il est en train de lui mettre nos armes dans le cucu. Mais après, on est d'accord que le Balstrag va nous démonter, Brian et moi, on est d'accord. Le Balstrag va vous démonter, oui. D'accord, bah au moins c'est honnête. Clairement, moi je n'ai pas encore assez d'expérience. Oh, ça me va, non, il n'existe pas, il n'existe pas. C'est bon. C'est bon, il n'existe pas. Il existe pas, il existe pas. C'est bon. C'est bon, il n'existe pas. Il existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Ah, mais genre, je touche pas. Vas-y, Megazord de Goldorak. Oui, je fais une fusion entre Power Rangers et Goldorak, je vous baise. 189 dans la tête. Ou bien jouer ça. Enfin, Brian, en fait, c'est un Megazord aussi. Ah, non, arrête. Vas-y, on prend dans un mur aisé. Ah, il est là. Là, il est plus dans un mur en fait, là. Enfin, ouais, en fait, c'est plus nous qui est pris dans un coin, là. Juste confus. En fait. Après, il a dit où est-ce qu'on était, il a perdu. Je vais prendre dans le mur, allez, c'est parti. Ok, j'ai eu un petit 3. Il vient de crier. Oh putain, le Power Rangers en première ligne qui va prendre cher. Non, c'est bon, il est esquivé. Non, en fait, c'était même pas moi qui visais. Oh, bien joué la flèche. Ah bon ? Mais si. Mais il y avait que toi en fait dans cette direction. Parce que Brahim, il était à ma droite. Ta mère ! Et Kylian, il était à sa... derrière lui. Il me faut un insecte là. Allez, l'insecte là, bouge ton cul. Ah non, s'il te plaît, je suis en. Downed. C'est ça. Effectivement, ma mère a raison, c'est le déluge. On a gardé, il est mon cul, on est d'accord. Quoi, t'as dit, le couche à la veut ton cul? Non, c'est le déluge. Ma mère a dit, c'est le déluge. Oh, le fils de pute, il va me tuer. Cover me. Mais lève-toi. Mais les gars, quand même, les gars, vous vous rendez compte que de base, on aurait dû. Vous voyez dans le déluge là qu'il y a, de base, on aurait dû faire sport de là-bas. Genre, Brian, toi, t'aurais dû avec Renault courir et nous, on aurait dû normalement faire du basket. Renault, il fait escade. Mais bah, en revanche, par contre. Brian m'a dit, soigne-toi alors que j'étais à terre. Comment tu veux que je me soigne quand je suis à terre? Par contre, Brian, vous avez un enfant. Sur un temps comme ça, ça aurait été clairement annulé. Qui t'a dit soigne-toi, Enzo? J'ai pas compris. Bah, Brian. Oh. En gros, il m'avait. Je lui ai dit cover me, mais il m'a dit soigne-toi. Mais j'étais à terre, il se fout de ma gueule.
Mais reviens! J'ai pas une question. Il est en train de voler! Bon, j'en ai marre de la lance, je vais changer d'arme. Ta gueule, il va où? Laisse pas marrer! Mais t'as poté! Voilà, tour de mon arme, c'est parti. Mais toi aussi, Brian, t'en as marre de ton arme? Ou tu veux que je te rappelle? J'ai pas marre de mon arme, j'ai juste plus de potions. Ah ouais, c'est une bonne raison de revenir à la base aussi. C'est une très bonne raison de revenir à la base. Ah bah alors que... Gros bonne raison. Allez, la corne de chasse, au moins il va arrêter de crever là. Ah ouais, c'est bon, je veux corne de chasse. Y'a qui est mort déjà là? Y'a personne, non? Personne. Après, j'ai envie de dire, la raison de tes baisers d'un autre côté. Y'a personne qui m'en a pas. Bah écoute, c'est pas grave. Il veut ton boulet, je comprends. Moi aussi, je veux le chien. Oh le coup, Brian était en lagué, c'était chelou. Oh les gars, j'ai mis un 133, un 133 et un 202. Mais non, un 133 et deux de son loup. Pas de mon loup. Je fais très mal. Merci pour ton aide, merci pour ton soutien. Oui, quand on a quelqu'un qui est joueur au camp de chasse. Je vais esquiver deux peu celle-là. Voilà, maintenant on va spammer les heals. En plus, un corne de chasse, c'est un petit peu un marteau soutien, et c'est ça qui me fait plaisir, tu vois. C'est une arme de bourrin, mais aussi pour soutien, tu vois, c'est... Ok, ce qui arrive, ça fait grandement plaisir. Oh non, c'est bon. Alors les gars, sachez qu'on m'a sauvé la vie. GG à le mec qui t'a sauvé la vie. Est-ce que ce serait pas moi avec mon baril explosif? Exactement, ça m'a fait aucun dégât, et j'aurais pu prendre des dégâts à travers le coucheur. Bah j'ai Brahim. Là tu l'as dit, j'ai juste pour lancé un baril au pif, mais bon, j'ai lancé un baril et là beurre. T'es un héros Brahim. Un héros involontaire. Un héros de gueule. J'ai la ref. Non. C'est bon. On voit que j'étais bien en dessous de lui. Ouais, je compte pas me frabaquer chez moi Enzo. En fait, le coucher d'Aura, c'est comme dans les boss de Dark Souls. Faut frapper derrière lui, donc dans son boule. On a qu'à me tuer. Ah, c'est bon. Ah, oui, c'est la queue. Non, c'est une faut plus viser. Ah, je passe ça. Pas du tout à travers les tornades, pas du tout. En tout genre de marteau, je dirais plutôt de frapper la tête. Bon, toi, tu frappes. Les gars, j'ai frôlé la porte. Enzo, j'ai commencé à mettre à baquille. C'était commencé à mettre à baquille, c'est génial. Ouais, j'ai pas les gars, vous voyez, si je vous dis tout à l'heure, j'ai failli frôler la mort. Comment? En gros, tu sais, il avait mis ses grosses tornades là. Et il m'avait balancé un gros projectile de tornade pendant que j'étais en l'air, mais j'ai réussi à mettre en filoptère juste avant que ça me tue. J'écoute dans la vraie vie. Hein? Ah, dans la vraie j'écoute vie? Alors, dans la vraie vie, je vais prendre. Ah, mais. Qui est mort? À quoi? Brahim. Brahim, à cause de la corde de chasse, le tueur. Ce projectile, il est ultra violent. RIP Brahim, bonjour. Je vous avouerai que j'ai une excuse, je vous avouerai, mais je vais pas la dire en live. C'est mieux. Ah, t'étais en train de chier au toit, quoi? Non, ça c'est sur Enzo. Voilà. Ça déconne, Enzo. Allez, voilà, détruisez-lui sa mère! Avec plaisir. Préfère éviter, on sait jamais, quoi. On a écrit, Kian, c'est toi ou moi. Cover me! Avec ta corne, là. Oh, c'est eux ou nous, mais je t'avoue que les oreilles. Ça tombe bien, je peux en vrai. Oh putain, mais est-ce qu'il y a trop de cul? Moi, ça va passer au-dessus de lui. Oh. Ah, ça va mieux là, c'est bon. Ouf, qui a pris cher? Non, c'est bon, personne. Je crois qu'il a visé une bête. Non, est-ce qu'il. Putain, mais. En gros, j'explique ou pas? Mais ça vous dérange ou pas que j'explique? En gros, j'étais dans une position un petit peu inconfortable, et en gros, chaque fois que je toussais, j'avais mal à une de mes couilles. Donc, du coup, je suis en train d'essayer de me remettre en position, et là, je vois que le coucher d'Aura m'a enlevé toute ma barre. Tu aurais payé une boule aussi. Ouais, j'avoue. Et quand je reviens dans mon côté, je vois que le coucher d'Aura m'a enlevé un petit peu toute ma barre de vie, tu vois. Ok, mec, où est mon chien? Et là. Où est mon chien? Eh, mais j'ai chien, je reviens. Toi, tu chemins, t'avais. Mais alors, toi, j'ai détruit toi. Putain, je vais te choper au passe. Ah, mais non, mais je suis con, mais ouais, mais faut que j'appuie deux fois pour se frapper. Ah, attends, regarde, je te mets un boost. Il y a quoi, t'as enlevé ce qui m'en boost ce coup. Non, mais les gars, mais c'est le déluge de voir. Heureusement que là, plus court là. Et ça me frappait là. Non, en cours, moi, heureusement que ça aurait été des cours.
Ok, Ulti, il fait pas Ulti. Ah non. Plus... Bah en fait c'est... En vrai il est bientôt mort, non? Enfin là il y a pas encore son truc bleu, je veux dire, mais... Il aura bientôt, j'imagine, non? Il va pas tarder, je pense. Putain, il y a le chien de Brahim, je crois, qui est sur sa gueule. Ah, c'est folie, le Brahim. T'as besoin de méga potion, Lindo, ou c'est bon? Non, là, pour l'instant, mes méga potions, je n'ai pas encore utilisé une. Ou peut-être une, si. Oh, merde. Ah, yes, j'ai touché. Ah, skip. Il y a une personne qui me heal, merci beaucoup depuis tout à l'heure. Bah, c'est quelqu'un qui s'appelle... Je vois le point de vie depuis tout à l'heure qui remonte, c'est magnifique. Ça, c'est vrai, pur. En fait, ma phrase, c'est plutôt l'inverse, je devrais dire. C'est la corne de charge, il s'appelle Killian. Voilà. J'ai dit, c'est Kylian, il s'appelle la corne de chasse. Bon, en fait, j'en peux plus. Désolé, Kylian, les gars, pour prendre des coups, je veux le frapper, moi aussi. Peut-être que je suis en train de prendre des coups. La corne de chasse. La corne de chasse, tu peux me. C'est la méga tornade. Éloignez-vous, les gars, éloignez-vous. Bah là, je suis bien éloigné, moi. Je suis à l'autre bout. Je suis à l'autre bout de la planète. Il est juste en dessous de lui. Ah, mais c'est moi qui l'a pas lancé. Je sais pas. Je crois qu'il en avait marre. Il y avait personne à côté. Non mais vraiment là. Ah bon? La corne de chat, tu peux me heal avec ton Kylian? T'as enculé déjà. Et si tu veux. Oui bah connard, le monstre s'il me frappe, je peux pas vraiment concentrer là-dessus. Oh oui mon insecte, putain c'est un 3 malheureusement. Allez Power Rangers. Le problème c'est que j'ai plus mes potions là, j'ai plus ma potion bon, là de. Bon. Ah oui, j'ai plus de potions de. Comment ça s'appelle là? De démon plus et de potion de pierre plus, c'est chiant ça, c'est dommage. Bah attends, si tu veux l'effet de démon, je peux le mettre maintenant. Attention, il a fallu donner ma tête, non? Ah non, c'est bon. Ils sont en dehors. J'en ai quand même tous mes boosts là parce qu'il y a plus l'enquête de rendissement et l'enquête de rendissement. Je suis pour la mort. 172. Et on dirait que j'avais la voix d'un perso novice là, non? Ça n'a rien du tout, mais je m'en bats les couilles. De même. Esquive. Oui, je suis le seul con à utiliser les kunai empoisonnés. Vas-y, démonte lui sans merde. Non, mais t'as raison. C'est un peu... Non, putain, je pareil. Oh putain, je vais essayer. Mais c'est pas suffisant pour étourdir. Allez, Kylian. Ah où? C'est bon, il va l'empoisonner. Ouais. Enculé. Gros petit coup. Gros coup de corne. What? Il s'est fait stopper, mon gars. J'ai pas trop de pilocopter pour une pilocuite donc. Attention, il va attaquer Kylian ou Brahim. Eh bien, c'était Brahim. Et bon, j'en ai une maintenant. Vous voyez ce qu'il vient de faire l'instant? Mais j'ai déjà pris le coup, mais j'en ai une. Les gars, vous voyez ce qu'il vient de faire l'instant? C'est un avant-goût de l'attaque du Valstrax de Lucci. Oh, ouais, mais c'est trop bien. Je n'ai pas Brahim depuis tout à l'heure. Les gars, j'en étais trop loin. What the fuck? Mais attends, mais les gars, tout le temps, ils sont ultra vénères. Les gars, attendez, je donne un coup à la tête du coup là d'un roi et au même moment, il y a Bang Bang sur la même. Oh non! Ah, ils sont mis en hauteur les bâtards! Mais j'en ai marre! Mais les gars, on en passe trois fois! Je suis là trois fois, ils font sortir les deux! C'est un problème qu'il a fait ici! Alors, le coup de Shadara, c'est littéralement barré, Brian! Bah, on y va! Quand il va être attiré, qui s'est dit c'est bon, dis-lui, il a le Magnum à l'œil, il est trop fort pour moi! Attendez les gars, c'est nickel, on va pouvoir non seulement. Mais Enzo, c'est un clip, Enzo, je te jure! J'ai pas compris, genre trois fois, il s'est pas été en guerre de territoire, trois fois, il atterrit sur ma gueule! Mais bah, ils aiment bien atterrir sur quelqu'un qui est. Attends, Brahim, prends le heal! Voilà! Les gars, on peut pas vous changer! Les gars, on peut pas vous changer! Qu'est-ce qu'il brûle ici? Enzo! Faut pas vous changer, tu veux! Mais t'es c'est quoi le pire, Enzo? C'est à moi! J'ai rien vu, moi! Enzo, tu veux savoir, c'est quoi le pire dans tout ça? Mie, si petit! Alors, je te baise sauvagement! Alors, Enzo, tu veux savoir, c'est quoi le pire dans tout ça ou pas? Je me suis foutu en hauteur, je me suis dit c'est bon là, je suis en hauteur, ils vont pas me toucher encore une fois, et là je vois qu'ils poussent sur ma gueule en hauteur. Genre mais vraiment ils me veulent juste moi en fait. C'est bon, tête de mort. Allez, j'aimerais bien qu'il y ait pas Edo qui se ramène et qui se mette devant mon attaque ultra chargée comme ça serait pas mal. Mec, j'étais avec mon T-Rex ou pas? Bah justement, c'est pas le truc sur la Dora là. C'est bon, j'ai une grosse partout entre nous, quoi. Écoute, Enzo, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Ah, Magnamalo, bouge ton cul! Bah, ouais, mais du coup, moi, j'aime pas chercher ce qu'il veut Magnamalo parce que je pensais que vous étiez encore dessus. Bah, en fait, le truc, c'est que. Mais non! Vous voulez capturer ou quoi? Mauvaise cible! Bon. Mais en fait, ça va pas marcher sur le couche-là.
Oui, c'est vrai qu'on peut pas capturer les dragons anciens. Comme dans. Putain, le McDonald's hyper vénère, cassez-vous! Merde, j'ai pris une pause. Allez, dis-moi, vas-y, je prends un bien. Aïe! Mais c'est les flammes de l'enfer, ça! Mais putain! Le McDonald's hyper vénère! Il est pas vénère, il est juste tout excité. Je me tire! Mais non, pas pourquoi je suis parti sans mon tir. Sans motif. Oui, mon loup? Non, pas dans ta gueule. Sans motif. Ouais, pas de mon tir. Je me tire! Non, pas pourquoi je suis parti sans motif. Il est presque mort, le méchant monsieur. C'est que maintenant que tu remarques? Non, je vous fais juste la remarque. On peut pas capturer le cochon de l'oral du coup? On peut pas, ouais. Non, on peut pas. Faut le démonter sa mère! Oh. Et c'est ce qu'on va faire! La solution forte du coup, ok. Attention le laser! C'est moi qui viens de l'esquiver. Après, moi je voulais gentil avec le cochon de l'oral, je voulais pas le tuer, truc comme ça, mais apparemment il reste que la solution forte. Ouais, bah, c'est mal, c'est parce que c'est un dragon, c'est pour ça, on peut pas. Alors, après, les dragons, c'est tellement plus simple, on profite! Vas-y, vas-y! C'est maintenant! Faut l'harceler, le raqueter, le niquer, le démonter! Et je sais ce qu'il meurt en fait. Alors, du coup, il y a plus avec moi parce que je suis dans l'embase des entières seulement du lycée donc. C'est problématique. Ah, ouais, pardon. Ouais. Non, faut pas l'harceler, pardon, faut le taper. Voilà. Mais non, vous avez pas dit qu'il y avait une règle, Brian, c'était que maintenant le harcèlement est autorisé maintenant? Ouais, mais. Sur les monstres qui n'ont pas de vie en fait. Attendez-moi que tu sois mort avant. Ah, bah le harceler, il faut que tu sois mort, ok. Allez, on s'en tient dans les têtes. Les gars, j'ai envie de foncer avec lui sur un mur, je sais pas pourquoi. Fonce avec lui dans un mur. Wow! Bah, j'avoue, en vrai. C'est bon, il y a un mec qui vient de voler qui s'appelle Kylian. Allez hop! Bien joué! C'est un mec qui s'appelle. Que je fais Easy win! GG Wellblade! Easy win, Easy! Foiré, maintenant, on fait garer sa fille de. Easy win! Si on retire la game d'avant, les amis. Grave. Bah, et la game d'avant avant, et la game d'avant avant avant. Attends, qu'il y a la pique. Sur cette game, les gars, on a pu gérer et il y a que moi qui suis mort une fois, mais parce que j'avais mal à une couille et que du coup, j'ai en train de me réinstaller. Mais bah, ils se remettent à niveau, c'est tout. Oh, j'ai une gemme d'avant, j'ai une gemme. Bon, les gars, vous êtes sûr que c'est une game avant? Mais non, je vais pas le souvenir, moi. Foiré, toi. Putain, pour Rangers, il est mort. Oh, cassez-vous pendant que. Espèce de gorille! Espèce de gorille! Aïe! Putain, pour Rangers, je vais te niquer! Je vous emmerde! Viens ici, viens ici! Viens ici! On se confie, voilà, terminé. Ah ouais. Le samouraï est vivant. Ouais, ferme ta gueule, le ciel! Là, j'avoue. Oh, ouais, il est beau, mon personnage, il est beau. Pas plus beau que le mien. Non, on est aussi beau. On a chacun notre style, on va dire. Voilà, on va dire ça. Chacun son style. T'as le Power Ranger, c'est le samouraï. Et le gorille. Et le. Voilà. Quel est le rose. Oh, d'après nous, apparemment. Alors, je suis assez combien maintenant? Combien de. Bah, en fait, chacun son style, d'après Enzo, c'est chacun son style. Moi, c'est les Zomo, Enzo, c'est les samouraïs. Et Brian, lui, c'est les Power Rangers. Les gars, je suis assez combien? C'est le gorille. Les Super Saiyan 3, laisse-le. Voilà, le gorille Super Saiyan 3. C'est un... Ah, mais c'est un Odaru doré. Bah voilà, on l'a trouvé. Bon, Brian, tu mets ta quête là? Bah attends, vu que j'ai pas de bloqué la quête, je pense que si je vais en expédition et je l'ai en expédition, c'est magnifique. On met le lit pour le côté épique. Ça part en Valtrax. Hein. Bah après, les gars, on le refait. RC40 maintenant. Les gars, dans 3 RC, on le refait le Valtrax, ça va s'en suivre. Ça commence à être RC40, Brian. Oh putain, il y a eu un flash! Ça va, non, ça va, ça va gronder là, ça va gronder! Ah non, mais peut-être! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? T'as déjà joué? Enfin, tu t'es fait le coucher là tout seul? Ah, ça a grondé! Ah, ça a grondé! Pourquoi cette quête? Parce que j'ai envie de monter du coucher. Du Valtrax, pardon! Ah, mais du coup, t'as l'air d'être un Brian! En fait, c'est les RC40, c'est sûrement parce qu'il a dû faire plein de quêtes à côté, donc... Oui, c'est vrai, tu as toutes tes quêtes d'un coup, quand tu... Alors les gars, là, on n'a pas de limite de temps, on n'a pas de limite d'éloignement, parce que normalement, on a tout le temps pour défoncer le Valtrax. Voilà. C'est une quête libre, là, on peut gagner autant qu'on veut. Les gars, je reviens 2 secondes et je lance la quête. Bah, en fait, faut pas me dire à moi qu'on peut gagner autant qu'on veut, parce que je te jure que les potions, on utilise 0 maintenant. C'est bon les mecs, j'ai l'armure du McDonald's complète, oui.
je suis heureux. C'est pour ça que je vais faire l'amour à Brian. Alors, voilà, ça c'est pour montrer mon amour pour le Magnum Halo. La fusion parfaite entre un BX et un samouraï. C'est vraiment, c'est vraiment un LBX, frère. T'es mal le style, frère. C'est un LBX. Et quand tu vois mon style. Wouah! C'est un bon gros samouraï. Putain, y'a un gorille! C'est bien. Alors, on va manger. Yappaaaai! Aïe, moi, les motherfuckers! Ken, viens, on apprécie la vue, Ken. Oh, bon, on va là, les gars. Ken, viens, on apprécie la vue. Bon, bah, attends, on va se mettre là. Non, attends, on va se mettre là, voilà. Bon, d'être prêt, je vais lancer. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau. Alors, les gars, par contre, je ne vous ai pas dit qu'on allait battre, genre, en moins de 3 évanouissements. On va perdre. Non, après, voilà, là, il faut le dire, non, mais il faut le dire. Après c'est pas une quête, c'est une expédition. C'est une expédition, donc tranquille, tranquille. Si on se fait éclater, okay. Ça passe. C'est normal. Oui, c'est ça. On va juste espérer que le monstre ne se barre pas en moins de 20 minutes. Enfin, en moins de 10 minutes en tout cas, déjà. Mais non. Ah, on a pas de. Je sais pas, en voyant ta gueule, il risque de flipper en courant. Donc, bon, ça va, moi je suis un samouraï, c'est en voyant ta gueule qui va flipper. Bon, les gars, pourquoi on va TP Candice hein. Enfoiré, c'est. Mais enfoiré, c'est mon poulet. Allez, let's go! Vas-y, je prends le Valstrax. Oui, je vous baise. On fait tous pareil. Enfin, tous prendre le Valstrax, pauvre con. Non! Ouais, t'es démerde toi. Ah, mais je veux dire, oui, quand tu parlais. Ah, mais attends, moi, j'ai pas le camp là-bas. Non, payage. Tu parles de chevaucher. Oui, chevaucher. Ouais, oui, j'avais compris qu'après, c'était. Ouais, attends, moi, je respecte le message de Kylian, du reste inutile pendant qu'elle deux, il rush sur le bon sang. Celui qui voudra, il prendra la base de gueuse et pouquet pouquet, voilà. Moi, je vais le pouquet. Ok. Elle va venir d'elle-même. T'inquiète pas. Mais non, mais... les gens. Qui prend la baselle gueuse? Moi j'ai dit je prends le Valstrax. Voilà. Prends la baselle gueuse. Mais on s'en bat les non, qui est ferme ta gueule. Non, t'as pas les couilles, donc toi tu choisis. Justement, quand c'est toi qui dit venez les gars, on s'en bat les couilles, qu'après à chaque fois il y aura des problèmes. Alors, les gars, comment dire que le Valstrax est en train de se battre contre les petites mouches volantes? Il n'a pas réussi à les tuer. Oh là là! C'est pour bien que les mouches ne sont pas. On est même pas venu, t'es déjà en train de faire boloss. Brian, on dirait que t'es en train de miner dans Minecraft là, c'est pas normal. Non, c'est aussi Brian, tu galères à arriver jusqu'à eux, encore toi t'as un chien. Non, non, parce que. Ah putain, mais j'ai pas mangé! Mais t'es con! Mais t'es. Mais. Vous avez mangé au chrono, hein. J'ai même pas le temps d'arriver, y'a Brian qui est décédé, gros. Mais c'est même pas voulu en fait, comment dire, j'ai plus le sens de route. J'ai plus d'endurance, j'ai plus d'endurance, j'ai plus d'endurance. Ouais, non, pas le temps, il est pas me touche, pas me touche, les mouches. Alors, ok, alors toi. Alors toi, mon gars. J'ai pas eu le monstre à la game d'avant sur ta gueule. Alors toi, mon gars. J'ai pas eu le monstre avant, pourquoi j'en aurais pas. Alors toi, mon gars. J'ai t'explosé. Alors moi, je m'amusais, ouais. Alors moi, je m'amusais, t'as raison. Tiens. Et après, les hommes qui disaient quand même, on s'en bat les couilles. Bah écoute, bah justement, je m'en bats les couilles, j'y suis allé. Je sais pas, respecter ce qu'elle les règles. Mec, t'as dit que tu veux jouer avec qui? On s'en bat les couilles de qui prend quoi? Bah mec, du coup, on s'en bat les couilles. On va combattre un peu, on s'en bat les couilles. Bah écoute, on va taper lui parce que c'est plus proche. Les gars, je pense que vous avez vu sur la minimap à quel point on l'a battu. Ah mais d'accord, tu l'attendais. Tu sais, faut pas chicher trop longtemps en fait. Tu vois, c'est une. J'ai réussi à faire. Non, mais t'es de me calmer à la gueule, merci. Non, c'est marrant. Allez, maintenant je vous laisse, celui-là. Bah, Brian. Time to épée longue. J'ai oublié les touches, les gars, l'épée longue, c'est grave. Oh, ça va être trop bien. C'est moi, je vous rappelle les touches. Wow. Vas-y, Brian. Putain, mais ça tape dehors. Ouais. Et nous pour l'instant on tape le Valstrax.
coïncidence, dis donc. On n'a pas les mêmes priorités, nous. Viens, non, tu arrêtes de m'empêcher. Oh, les gars, j'ai on l'a remis à terre. Mais il a pas le droit de jouer, en fait. Non, mais l'autre connard derrière, là. Oh, j'ai la touche. Ah, voilà, c'est ça. C'est bon ou c'est un viol? Ah, bah, totalement, là. Quelque sorte, oui. Comment dire, en fait, les gars, on le maintient au sol. Oui, il est un peu énervé. Tu ris ou pas lui? Ah, ça comprend, le mec, on va le forcer à dormir pendant qu'il se faisait déchiqueter la gueule. Ah non, les gars, vous voyez, alors vous avez vu à l'instant, il était en train de faire. Lui, on peut pas le capturer. Attendez, les gars, sérieusement. Mais putain, écoutez, c'est important! RIP. Bah, écoutez-moi, toi, je suis mort, merci Brian. Écoutez-moi, les gars, quand il est en train de charger comme vous avez vu tout à l'heure, il peut taper le torse. Attends, je suis mort à cause de Brian. Non, je sais. Bon bah j'ai. Alors. Attendez mais. Ah mais oui c'est vrai qu'on a visibilité. Ah ouais, donc en fait on s'est débrouillé depuis tout à l'heure là. On aurait pas dû perdre. En fait on a juste 3 morts en fait. Ouais c'est ça. 10 000 points pour allez, écouter parce que c'est et un truc de cran les gars. La quatrième va bientôt arriver. Vas-y. Moi je veux qu'il y ait une. J'ai même mis au début, je m'en fous carrément de me régène. J'ai même mis au début. Comment on dit que je meurs? Moi je me régène quand même parce qu'au moment il va s'enfuir donc si on perd du temps à crever tout le temps. Attendez, je prends des potions du démon, c'est pas faux. Je vais mourir là. Oui, vas-y, meurs. C'est bon, j'ai le temps de prendre un méga potion qui m'a fait oh ma vie. Et j'ai le temps de prendre un balfrin, ça est 100 km/h. Bah, vous mourir. Sans façon, les gars. Ça vient d'où les bulles là qui apparaissent? Ah, c'est la faute de Brian, je crois. Ah, t'as marqué dessus? D'accord, il est carrément mal en fait, mais c'est pas. Ah, il est là, mieux dessus, lui. Mais. Je suis en recherche de mes barils, j'ai pas les retrouver. Ah, voilà, c'est bon, trouvé. Bon, les gars, dès la première vie, enfin, la première impression. Il déconne pas. Ah, bah, il est scié. Mais moi, j'ai envie de voir quand il fait la comète. Que. Tu vas voir dans pas longtemps. Là, il s'éloigne un peu, donc il va pas tarder à le faire. Attends, mais c'est pas barré loin, là, d'accord. Peut-être pour s'envoler. Oh. Attends. Non. Ah, mec, mais c'est une comète, le truc, là. Regardez, il est déjà arrivé. Mais putain, mais il est trop rapide! C'est le Valtrax, mec. C'est vrai, c'était ironique de dire ça. Je suis en tête, par contre, là, il fait ultra froid. Oh, petit Valtrax! Mais niqué! Petit Valtrax, ça va tout le monde, c'est lui qui nous domine. Ah, mais tout à fait, c'est une bonne. D'accord, je me suis fait lobotomiser la gueule. Mais j'ai un phylloptère, donc ça passe! Le torse! Putain, y'a une plaque qui me bloque! Le torse! Putain! C'est moi, il s'est rechargé! Ah bah en fait, voilà, il va faire l'embuscade dans pas longtemps. L'embuscade, c'est la comète. Ah! Je me casse! Qui va tuer là? Ouais, attention! Non, c'est bon. Ma télé, elle marche pas bien. Putain, par contre, j'ai plus trop de lui. En fait, tu vois, j'ai regardé la série Netflix. Attendez-vous parce que là main, il est chargé, il peut faire un moment là. Il peut faire un moment là. Tu auras un monstre uniquement ou sur nous aussi? De quoi? Tu auras un monstre uniquement ou sur nous aussi? Sur tout le monde. Ah non, j'avais le con. Putain, mais c'est quoi? Mais pourquoi il y a la lumière? Les gars, regardez ma vie. Ah! Alors, qu'est-ce que je pourrais arrêter de me frapper? Je peux pas frapper, je n'ai rien à foutre. Je te baisse, va crever. Oh merde, ouais, j'ai failli me faire un filochute dans son laser, donc ça aurait été un peu dommage. Tant mieux. Quoi? Allez, où sur la tête? J'ai absolument rien à dire. Bah d'accord qu'il n'y a pas vraiment eu de torfort avec le Valtrax, je crois. C'est pas deux. Une torfort. Oh non! C'est bon. On va prendre méga potion. Juste prendre une potion. Ah, mais une basel gueuse! Ah, ouais. Vous voyez, connard, on a dit. Mais j'avais pas vu que c'était Brian. J'avais pas direct vu que c'était Brian plutôt. Par contre, du coup, là, elle va se trouver à terre, mais elle va sûrement direct se faire appeler la. Bah, du coup, l'embuscade. Vas-y, la baselgueuse!
l'animation, je vais aller allumer la lumière parce que ma mère a éteint la lumière. Elle n'a pas compris que c'était un petit peu le jour de pluie aujourd'hui. What? Ça n'est jamais en fait ça. Bah, c'est que c'est la fiesta. Ah ouais, c'est le jour de pluie aujourd'hui? Ah, voilà. Bah, t'as fermé la lumière, c'était dans le noir, ça me donnait mal aux yeux de regarder la photo. Bah, je t'ai appelé, mais j'ai pas répondu. C'est où tu viens de mettre un coup, Brian? C'est quoi? C'est où tu venais de me mettre un coup? Attends, il se barre, il se barre. Wouah, vitesse lumière! Go, Corin, les gars. Ah, bah, c'est vraiment difficile, ce mec. Au campement principal. Campement principal, ouais, pardon. Je vais frapper pendant que je vais ma map. Alors les gars, je vais te préparer, vous aiguiser, préparez et mettez-vous des pouces en fond. C'est quoi? Bah écoute, juste un frame, frame. T'as une frame, t'es comment au niveau du tranchant? 100%. Nickel, nickel. Chou là. Ah. Oh, attends, attends, Kylian quand même, on va pas être loin. Ah non, non, attends, les deux, il va faire l'embuscade. Comme ça, l'embuscade? Non mais. Mais tu mets quoi, Hugo? T'es plutôt au camp principal! Mais. Oui. Non! Mais t'es plutôt au camp principal, et nous pour le couper! Oula! Oui. On va être tout loupé, Hugo! Ouais, sûrement! Mais t'es plutôt au camp principal, Enzo! Mais oui, mais! J'ai pas fait ça! Ça s'appelle le torse, ça s'appelle le torse! Mais mec, mais. Oh, ça va, il va sûrement le refaire. Hein. Oui, il va le refaire, mais. Et là, cette fois, je louperai pas. En gros, c'est quoi le truc GG. En GG. GG. En gros, j'ai pas compris, c'est quoi le truc? Je crois qu'il a été mort. Bah, tu vois, quand il y avait ton qui se charge, tout ça. Bah, faut taper dans le torse. Il est en train de crier. Mais quand je tape dans le torse, en fait, c'est impossible. Bah, mec, tu vas en dessous de son torse et tu tapes. C'est en tout à l'heure. Bah quand il fait l'embuscade, au moins il le fait, genre le truc là où il s'en va. Non, c'est pas l'embuscade, il parle. Il parle non, quand il fait le... GG. D'accord. Il parle quand il fait son rechargement. C'est pas pareil. Mais moi je sais pas quand il fait l'embuscade, comment t'es censé esquiver par contre? Non mais l'embuscade c'est une attaque mec, il faut pas frapper à son torse quand il est en embuscade. Oui je sais, mais comment t'es censé esquiver? Tu fais des roulades. Tu te barres en fait. Tu te barres loin de la mort. En tout cas, c'est que genre quand il fait l'embuscade, il vise une seule personne. Bah voilà. Ouais, après, tu peux viser s'il te plaît. Mec, j'étais à l'autre bout quand il a fait l'embuscade. Comment tu veux qu'il me vise moi? En allant à l'autre bout. Oui, c'est vrai, mais il me voyait pas, il pouvait pas savoir. Attention, il fait la fusée. Ouais, il est malade, vu comment il a pu viser quelqu'un en sniper depuis aussi haut. Ah ouais, j'ai claqué deux trucs, moi je croyais qu'en première, je sais pas. Bah. Bah écoute, la première, je sais pas par contre, perso il s'est trompé de côté. Ah merde. Mais c'est pas les mêmes deux là? Là c'est grand, là c'est. Alors. Là c'est. Mais calme-toi, Brahim. Les doigts, la truc là, là c'est comme ça, les petits doigts. Double kamikaze! En fait là c'est pour le pouce, le l'index, le majeur. Attention! Oh non! Je crois qu'il va utiliser une deuxième fois. Grand petit. D'accord. Grand petit. Alors, c'est qui vient d'écraser là? C'est Brian, d'accord. Ah, mais vraiment, ma barre de vie, mec. Ah, oui, t'as littéralement démonté, d'accord. T'as ce KMMR? Y'a un chien, les gars, Balek. Ah, y'a un chien sur lui. Gros, mais y'a un chien sur sa tronche là. C'est le chien de Brian. Mais quoi? Il me rappelle que Pira, elle veut déguster tous les dragons ensemble, elle les buter, tu vois. Elle va buter les goûter, tu vois. Aïe! Ok, j'ai survécu de boss cette explosion. Ça me dit quand même de me dire que c'est un dragon ancien. Ça me dit quand même de me dire que c'est un dragon ancien en train de faire bolos par un chien. Alors, je suis pas sûr qu'il ressent vraiment quelque chose dès que le chien frappe, mais c'est pas grave. Ouais, il a pas l'air de la rendre, on va trop du coup. Voilà! Il charge. C'est grave, tes gars. Non, mec. Il donne l'impression, c'est comme les gros durs là, ils veulent faire l'impression. Ouah, t'es cool pour rien, arrête, t'as fait tellement mal, mon pote, surtout à son honneur. Tu mets un coup de marteau dans le. Encore, c'était sur ses boules, j'aurais compris, mais. Le torse Ken Point dit, tu mets un gros coup de marteau. GG! Comme si rien n'était. GG Brian. Ken, tu mets un gros coup de marteau à beaucoup de dégâts, il va te faire comme s'ils s'en foutaient royalement. Alors, pas du tout, on réglerait la malle.
tête détruite. Oh voilà, c'est que maintenant. Voilà. Bye Strikes écarlate. Le Christian Global Strikes. Oh, j'ai esquivé deux fois sa griffe de très peu. Moi ouais, j'arrive pas à le toucher. Oh, j'ai pété la queue, c'est bon. Bien joué. Allez, fonce. Mais putain, là, c'est que de merde. Allez-y, les gars, je vous aide. Hein. Ouais, grave. C'est pas moi en train de dépasser la queue. D'accord, il est juste parti en vitesse lumière. Aiguisez vos engins, vous aussi. Ouais. Bah, la gueule. Ah pardon, attends, il y a un truc. Je peux pas aiguiser un truc devant lui, hein, ça fout du fou. Ah, mais là tu mérites en plus. Hein. Ouais, parce que j'ai dépassé un monstre, une queue parce que pendant que vous y défoncez. Non, parce que t'étais en train de t'achever mon Valstrax. Essaye de comprendre ça, si c'est prêt à payer, je pourrais le faire tout le temps. Hein. Du coup tu mérites que je te tranche la gorge. Et voilà. Tu te faisais déjà c'est avant, ça, avant c'est ça, être un mec, c'est trancher la gorge des gens. Alors, un petit Brian qui se balade c'est avec les mecs, hein. On t'attrape pas. On m'attrape pas. Qu'est-ce que tu branles? J'arrive à avoir des objets. De quoi? Il chope pas là, il crie. Attention. Là, se torse. Oh, bien joué. Boitez-le. C'est mal ça. Nickel. Bam. 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 Je vais me reprendre ton attaque. Les gars, il m'a mis la compagnie, les gars. Ah ouais, tu pourras lui foncer dessus et c'est moi qui prends le Valstrax, je vous baisse. Le torse. Vite. Ah, dommage, putain. Eh, il était trop rapide. Bah, j'essayais de foncer sur son torse, mais il était trop rapide. Genre, ça a vraiment duré une seconde. Après, une attaque peut suffire, hein, pour le torse. D'ailleurs, c'est. Vous de rapprocher le Kraken, je sais pas, les gars. Non. C'est un peu compliqué. Vu sa vitesse, déjà. Bah attendez les gars, non, vas-y, venez ici, venez tout ça. Yo, y'a le nouveau Death Smash et t'as cru que j'allais me laver? Pardon? C'est pas aujourd'hui le nouveau Death Smash. Ah, attends, par contre, t'es dit que j'ai rien compris là. C'est pas aujourd'hui le nouveau Death Smash, c'est demain. C'est dommage le truc avec Ezekiel. Non, il se bat pas, dommage. Pardon. Oui, il fait peur le Valstrax. Normal. Avec qui vous parlez? J'ai pas compris. Ah, Ezekiel. Ezekiel, il me semble, ouais, c'est ça. Les gars, j'ai plus de soins. J'espère que tu m'as bien, Ezekiel. Par contre, j'ai pas du tout compris ta phrase. Le mec, limite, il est venu, il m'a dit bonjour et après il m'a agressé. Bon, voilà, GG Wellplayed. Brian, Non, mais le plus d'accord que Brian a le plus grand rang de chasseur, mais c'est lui qui est mort le plus de fois. Alors, déjà, les gars, je vous explique. J'avais plus de heal. En plus, je l'ai dit à l'oral. Et pourtant, c'est moi qui m'a. Ouais, le même. Cool le jeu en tout cas. Si c'est le cas, bah oui, il est cool ce jeu. Bah je pense qu'il parle de Monster Hunter du coup. Ouais, dans le jeu, oui, il parlera de Monster Hunter. Bon, du coup, on joue à Monster Hunter en fait. Qui vous dit que c'est Monster Hunter? Alors, c'est le jeu. Ah, je t'as dit. Brian, j'appuie sur Mini-Home, j'ai tous les points de Monster Hunter, d'accord? C'est pas parce que moi qui me sens tort que ça me sent tort. Je vais le défoncer. Oh, il y a une base aigueuse. Ouais, je vais le détruire. C'est pas ma taille ça. Si, c'était celui-là. Là, comme
Non, moi, si je vais me faire camamé à la gueule, là. C'est moi, il y a une basal gueule qui veut mon cul. Moi, il y a mon baligo qui est tourné. On s'en bat les couilles. C'est moi, je suis en train de courir. Maman, ça va rien changer à l'issue. Ça va rien changer à toute la vie. Là, comment on a changé de plan. Ça me comprend pas de tourner. C'est vrai, mais t'es actuellement avec un. Je suis pas avec un, c'est juste que Kira est tellement con que elle a pris trop de dégâts et du coup, il faut pas monter dessus. Ah, d'accord. Tu sais quoi, la bonne vieille technique du chauve-gauche, voilà. C'est beau, Ezekiel a dit que mon Tantora, ils étaient cool. C'est moi ou Kylian est pas mort alors qu'il est censé mourir? Bah attends, tu veux, dès qu'il est presque mort, je... clairement je vous donne un monde. Merci Baïko. C'est moi ou il s'est fait flash? T'as raison Baïko. C'est moi ou Kylian est en train de me frapper, il me casse les couilles? C'est moi ou tu prends trop la zone? C'est moi ou Brian a totalement raison? C'est moi ou je viens de me prendre un coup d'aile? C'est bon, ou tu vas commencer à fermer ta gueule parce que tu vas te casser les couilles? Ouais, s'il te plaît, parce que. C'est bon, il faut frapper son torse. C'est bon, il est en train de balancer des trucs. C'est bon, tu me casses vraiment bien les porcs les couilles là. Tu parles à qui? À ton avis. On l'a dit. Oh, j'ai l'étalement de me faire exploser la gueule. C'est moi ou okay, il est en train de faire quoi? Ah non, il vient de mourir. Il arrive où? Il vient d'où? Putain, une comète volante. Ah bah voilà. Ah, là je l'aime bien. Là, va traquer son épaule. Le torse, vas-y. Tu l'as vu? Il va charger. Il est explosé. Ouais, quand on l'a dans le torse, c'est pas forcément le stunt. Mais c'est bon, le meilleur moment de tout ce combat, c'est quand Kylian s'est pris une comète dans la gueule. Mais en plus, c'est moi, j'étais en train de mourir parce que je pensais qu'il arrivait plus tard, tu vois. Et je sais pas, je sentais, tu vois, qu'il me regarde, je sentais un regard sur moi. Donc, Kylian, il a vu une comète arriver droit sur lui. Non, les gars, putain, mais. Les gars, on aurait pas dû. Ah putain, on a pas dit Kylian. On a pas dit Kylian quand il est mort. On sait pas. GG Kylian. Oh, non mais parce que lui il mérite pas de GG en fait, lui il mérite juste nique ta mère. Putain mec, ouais. Moi je m'en fous mais je suis mort qu'une fois. Moi je suis mort deux fois. Moi deux fois aussi. Non, toi t'es pas du tout mort deux fois, toi t'es mort 4-5 fois. Non, ah non, par contre je suis mort deux fois, t'as qu'à regarder le chat. Quoi? T'es mort 4-5 fois? Non mais attends, on part durant le combat. Il est mort 3 ou 4 fois je crois. Ah non, attendez, on parle durant le... Est-ce qu'on a plus le Shadara ou que le Valstrax? Non, le Valstrax, je parle pas au tout, je parle que le Valstrax. Bah oui, je suis mort deux fois, regarde, attends. On va regarder le chat. Comment ça, t'es mort deux fois, mec? Je me rappelle que t'es mort au moins 4 fois. Bah attends, on regarde le chat. Comment ça, regarde le chat? J'ai pas le time, là. Mais je regarde pour toi. Non, va changer. Il se fait violer pendant ce temps-là. Non, mais en même temps, c'est mieux, attendez, en même temps, c'est mieux. Tu vois, il est chaud, Brahim, moi, lui, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Clairement, il se fait littéralement violer le cul. Les gars, si vous sur la wingate, bougez pas, ça marche. Il vous repère pas, regarde. Mais dis ça, il est en train de se faire frapper par le. De ouais, Brian, il va nous faire. Oh putain, la vache! J'ai raconté une mort, j'ai une deux morts. Ouais, j'ai que deux morts. T'es un mytho, je regarde à la rediff, m'en fous. Bah, t'as qu'à venir sur moi, tu vois. Mais je n'y attends pas de ce live, moi je vais juste regarder la rediff, c'est ma rediff, c'est tout, et je vois le nombre de fois où t'es mort. Ah non, au pire, ce que je peux faire, c'est que dès que t'écoutes dans le chute, tu vas dans les logs du chat et tu regarderas. Tu verras les Brian s'est évanoui, tu verras. C'est bon, il se barre. Bah voilà, regarde maintenant les os, regarde maintenant. Pas de thème, moi j'ai envie de chevaucher le Valstrax là. Où est mon chien? Le Valstrax, c'est pas chevauchable, je crois. Si, mais je suis chevauché tout à l'heure. Mais con quoi, le mec il me chevauchait tout à l'heure. C'est tombé, gueule. Il s'est obligé de trouver une excuse, je suis sûr, pour pas qu'elle veuille. C'est complètement débile, sachant que j'ai vu que Kylian me volait devant mes yeux. J'avais zappé, les gars. Le Valstrax, il va chevaucher tous les monstres sur le chat dans le jeu, c'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est un des gros points précis de Monster Hunter Rise. Sauf quand t'as un connard qui te le vole. C'est pas possible, là, ça. Nique ta mère.
Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? J'ai failli crever. Et je suis mort. Tu es mort. Bah, il a fait double attaque hyper rapide. J'ai fait une roulade pour esquiver la première, mais la deuxième, j'ai pas pu l'esquiver. Voilà, tout simplement. Putain, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Chier. Je peux prendre mon chien, merci. Oh merde. Oh, il y a une base élgueuse à la base. Enfin, à la base, pas forcément à la base, mais. Devant la base. Voilà. La main, parce qu'à la base, c'est un peu violent, c'est la base élgueuse est en train de brûler leur temps. Ah les gars, c'est bien. Ok, okay bah, après, je mais t'as vu, c'est pour ça qu'il y a une gagne en fait, c'est que. On essaie beaucoup humain en fait. Oui, j'ai vu là. Il ou Brahim? Je connais la blague du con qui dit non. Ouais. Ouais, je la connais. Tu la connais? Ouais. Vas-y, explique là du coup. Bah, si tu dis non, bah t'as beaucoup. Attention, il va faire Kamehameha. Ryan. Sinon, si tu demandes que je suis dans le campement depuis tout à l'heure, je suis en train de tout recharger. Oh putain, il y a Pouké Pouké. Mais bon, le Pouké Pouké, il m'a fait plus de gars en attaque que le 25. Non, Kylian. Ah ouais, avec pensé. J'ai pas vu que c'était Piston. Alors toi, je vais te violer ta mère, toi. Tu vas prendre la... Kamehameha. Alors, mec, je vais me faire une crise épilepsie, là. Putain, mais on a pas de bol, mec. Mon palico, il met un piège, c'est le Pouké Pouké qui se... Tant mieux, comme ça, je le vois, je viole encore plus. Bah non, je crois, mec, ça va le faire, s'il te prenne. Attends, on va aller dessus, après. Ouais, t'inquiète. Genre, ouais, quand même, t'inquiète, faut t'inquiéter. Ta gueule. Vas-y, Brian, à toi de jouer. Avec ton Pouké Pouké. Le monde est plus puissant, en face, on monte le plus faible. Vas-y, monte plus, c'est qui? Monte plus, ça fait quoi d'être de... d'avoir une grosse langue? Allez, mais j'avais pas d'autre punchline pour le Pouké Pouké, je pense. On va détruire une partie, les gars. Tu vas détruire une partie? Ouais. J'ai, mec. Voilà. Il a dit que t'es les poissons qui avaient détruit. Non, on est presque mort, c'est mignon. Putain, il va bientôt mourir, les mecs. C'est non. En fait, mon indicateur pour savoir comment c'est presque mort, c'est même pas le truc en haut à droite, c'est quand mon chasseur dit alors on est presque mort, ton con. Ouais, là par contre, pour une fois, c'est pas grâce au message de Kylian que j'ai vu qu'il était bientôt mort. Parce que d'habitude, à la fois, c'est à cause du logo bleu, moi. Mais là, j'ai vu le message de Kylian. Ah, ici, oui. T'as vu, là, ça marche, mais il y a un petit trou derrière. Attention, il va pas utiliser son épée. Enfin, son épée, son aile. Je sais pas si tu préfères que tu l'enlèves et on refait. Non, c'est bon. Merde, faut que j'aiguise mon arme. Je sais pas si ça se voit dans le permis, ça. Il charge. Je peux pas. Vas-y, tape plus au torse, mec. Je pouvais pas, j'étais en train de faire la toupie. Tapez lui son. D'accord. Tu vois, c'est bon, le... Sa blague est pas bonne. Peut-être, mais pas bon. Oh, les gars, l'information, on s'en bat les couilles, quoi. Ah, on va bientôt quitter la région. On s'en bat les couilles. Non, pas lui. Pas lui. Si, qui va bien. On t'épargne, vas-y. La parole va le faire quand il a sa fumée rouge et tout, il est vraiment hyper badass. Moi, j'ai le carré. C'est badass, car il a mal au. Oui, largement. Franchement, ouais. Le point badass, car il a jungle. Franchement, c'est le seul truc que j'aime pas du Valstrax, ce que j'aime pas trop, c'est un peu sa tête, un peu. Ouais, sa tête, par contre, c'est vrai que... En fait, on a vraiment une sorte de piaf, en fait. Voilà. Ouais, bah, non, c'est le but, les gars. Bah, pas forcément, en fait. C'est un piaf, quand même, qui vole pas. Parce qu'un dragon, quand il a une tête, mais il a une tête de dragon, pas une tête de piaf. Ah, mais... Putain, j'ai vu Jean, mais je voyais que Jean, du coup, c'est Magnar. Quand tu regardes la tête du coucher à Dora, là, on a une bonne tête de dragon. Ma tête là, on a une bonne tête de couillon. Quand tu regardes pas, moi, la Latréon, bah voilà, c'est une bonne grosse tête de dragon. Fatalé, c'est une bonne grosse tête de dragon. Alors, Jung, c'est le King, là-bas, il faisait comme un dragon, c'est pourtant il n'y avait pas que le dragon. Qui? Le Kirin. Le Kirin? Bon, le Kirin, ouais, c'est le temps. Ah, les gars. Ah, oui, les gars, on était ici dans deux. On était ici il y a deux secondes, il revient ici. Il change en plus, putain. Je vois pas le temps et tout. Il y a un piège juste à côté de lui là. Mais il peut pas être capturé ici. Non, il peut pas être capturé. Il peut quand même tomber dedans, non? Non, il peut pas. Ah, donc, comme ça, on peut essayer, mais ça me donne. Il fait sa charge. On peut toujours tenter. Oh! Non, j'ai esquivé aussi. Hein. Mais je t'emmerde, toi! Non, mais c'est en fait, je disais ça pour moi parce que moi aussi, je suis pris la grosse explosion. De toute façon, lui. Ah, il a pas de. Non, c'est bon. Non, ça c'est un trou. Non, déjà. Des,
Imaginez, mec, il y a non pas un film, mais un film d'animation où c'est des monstres qui se battent, enfin des monstres de Monster Hunter avec une histoire et ça se bat et tout. Oui, il y a, Monster Hunter Legend of the Guild sur Netflix. C'est un film d'animation. Tu mets animation, hein. C'est-à-dire en mode. Bah, animation. Oui, ah, gagnez the. Elle est mort ? J'arrive, les gars. Ouais, c'est moi qui ai fini. Oh, oui, bébé. J'arrive, les gars, attendez. Du coup, Enzo, je t'invite à regarder le chat une fois que tu l'auras dépecé. Comment on regarde le chat? Alors, attends. Attends, deux secondes, on le dépêche et après je te dis. Donc, tu vois, dans les options. Donc, tu vas sur l'appui sur plus et ensuite tu vas dans les. Dans ici, là, il y a les cartes guide, liste de joueurs, ça, et il y a chat menu. Carte guide, c'est ça. Et dans le menu multijoueur. Et t'as chat menu en tout genre. Ah, non, t'as pas la carte guide, c'est genre le premier bouton en haut. Ah, liste des joueurs. Non, le premier bouton en haut. Comment ça, le premier bouton, ça veut rien dire. Bah si, le premier bouton. Menu de chat. Oui. Bah voilà, mais dis menu de chat, putain. Ensuite, tu mets Y, et là, tu remontes le chat avec les flèches. Avec les flèches directionnelles. Alors. Et tu verras, bref, ouais, oui. Incroyable. Mais what? Mais les messages se suppriment. Ah non, fallait dans. Donc, ouais. Mais mec, y'a pas tous les messages par contre. Bah j'ai eu que deux morts. Mais y'a pas tous les messages. Ah moi, attends, c'est quoi toi c'est le... Quand t'es mort, c'est écrit quoi pour toi? Brian a senti, mais en gros c'est Brian qui s'est évanoui. Brian a senti. Attends, parce que j'ai pas tous les messages, hein, donc Bah, de toute façon, les gars, coupez ta quête à nous dire les messages. Tout ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais regarder la rediff et je vais voir combien de fois t'es mort, tout simplement. Bah, attends, il y a un message. Ils vont lui dire, là, de toute façon. Ouais, vous mettez le nombre de morts? Normalement, ouais. Ah. Ah, bah non. Ouais, Par exemple, Elle est littéralement désintégrée. Moi, elle meurt en souffrant le plus, en fait. Allez, gars, Allez, mais si, je lui ai parlé, depuis longtemps je lui ai parlé, gros. Ah, si, d'accord. Ils m'ont parlé. C'est bon, j'ai compris. Attends, c'est pour ça aussi, lui qui est pas monté de niveau. C'est bon. Lana, ah, voilà, je précise de l'heure. Alors, les gars, quand vous mangez, prenez d'angoisse sur heure, si vous avez. Faut pas machiner. La fleur. Non, mais c'est important, c'est pour qu'on ait un évaluation gratuit. Quoi? C'est pas un évanouissement gratuit. Mais j'ai pas ça, voilà, c'est bon. Je t'en vis sans le nique, pas sans ça, franchement. J'ai pas tout simplement, bien sûr, moi. Ibrahim. Ibrahim, t'es quoi, non? C'est quoi, non? C'est Dango, quoi? Écoutez, Ibrahim, il y a un cas où on salue ou quoi? Mais déjà, c'est plus joli que... Mais là, toi, ça me semble à la même chose. Quand on va mettre du fer. Le mec m'avait dit ça, quel plaisir de te voir. Oui, mais Brian, quel plaisir de te voir.
Oui, je sais, quel plaisir de te voir, mec. J'avoue. En vrai, c'est normal si je suis monté direct RC40. Bah, tu étais déjà. En réalité, t'as dû faire des quêtes à côté, du coup, dès que t'es passé, dès que t'as déjà couché à la salle, t'as dû te faire. Le Théostras. Quoi, le Théostras? Le Théostras, c'est un dragon avec une tête de lion. Ouais, tu vois le règne, tu vois le roi lion. Bah, de toute façon, j'ai déjà une animation, j'ai très bien que c'est. Voilà. T'as bien toi, hein. Ok. Vous pouvez lancer sans moi, les gars, si vous voulez. Non, mais Roland, avec plaisir. En fait, c'est. Mais t'as rien goûté, les gars. Merde. Ça marche. Ouais, vas-y, Benzo, mes frères. Hein. Yes, je t'en ai pas. Benzo, je vais prêt. J'ai mis prêt. C'est vrai. Une touche de fion. T'es mais encore plus prêt. Le mec dit mais prêt, mais j'ai déjà mis prêt, petit coup. T'as pas assez mis prêt. Ça veut rien dire. C'est impossible. En fait les gars, va falloir faire gaffe parce qu'à un moment quand ils vous passent en mode nerveux à merde de tous, l'ulti va pas falloir être sur le sol. Oui mais t'inquiète pas, je connais, j'ai déjà fait. Oh skip la cinématique. Enzo! Enzo! C'est moi! Vas-y là, tu skips! Bah non, en vrai, c'est normal qu'il la laisse. Je skip! C'est normal qu'il la laisse. Hein. Bah oui! Mais du coup, c'est un connard pour nous, parce que nous, on l'a déjà vu. Si tu veux, on refait ça, hein. Si tu t'arrêtes pas de remettre dedans, c'est pas qu'il est pas sec, il est très fin! Il est parce que Lumba va pas jouer, genre être carrément stylé. On peut, mais c'est pas le meilleur. Oh oui, bébé. Allez, faites l'amour et on vous dégueule. Il peut pas. Quoi? Tu sais, c'est de l'aloe vera. Sinon, on va couper encore. Hein. Regarde, c'est de l'aloe vera. Écoutez, moi je reviens deux secondes. Comment c'est le combat? Moi, si je suis pas revenu. Regarde, si, regarde. Là, ça va mieux. Petit source de la calamité. C'est bien, non? Faites le putain d'amour. Je vais chercher mon petit. Vas-y, conquête, la conquête. Mais regarde que là, à tout moment, il y a un intro qui arrive, il est défoncé. Il y a un quoi? Un vrai intro. On va les défoncer, on change de but. Ça, il est sec comme ça. Bah oui, il a séché, il a pourri. Il a le temps d'enlever. Et alors que là, on a réalisé sa voyenne. Oui, bien sûr. Plein de mouches. Bah oui, heureusement. Maladie. C'est parti pour affronter. C'est qui en premier là? Les Bucci. Ça va. Qu'est-ce que tu branles? Les Bucci. Bah, il me crie dessus, connard. Je peux le faire, je suis mis. Bah, bon, normalement, je devrais plus avoir de tympan en vue de la proximité entre sa bouche et mes oreilles. Mais moi, j'avoue, en vrai, les chasseurs de monstres, ouais, ils sont censés être morts. De. Enfin, oui. Ils sont censés être sourds plutôt. Non, juste ça, merci. Bonjour, Kiem. Alors, Kiem, tu viens d'où, en fait? Ah, en fait? Mais putain, mais mec, il arrête pas de m'envoyer en l'air, ce connard là. Bon, les gars, c'est reparti. Ouais, je peux plus me relever. T'as vu, il m'avait paralysé, mais putain, il me casse les couilles. Alors, je vois que vous battez bien ce que je veux. Alors, avec lui là. Par contre, pourquoi vous avez pris. Attends, vous avez pris cette potion quoi? Ah, bah ouais, bah deux, c'est pas grave. Il y a un truc là. Les gars, j'ai pas de premier soin moi. C'est un dos. Non, j'en ai pris qu'un seul. Mais non, les gars, il manque les deux. Il manque les quatre premiers soins. Putain, j'en peux parler. Il manque les deux. Et après, quand on a besoin, on est un peu dans. Attends, je veux même pas en prendre trois. Prends deux toi aussi Enzo, en même temps t'as Brahim qui devait venir aussi normalement. Il faut arrêter là. Il l'a après. Ah oui c'est vrai. Bah oui. Bah ouais vu qu'il était oui. Plus dans le VOC en fait je l'ai oublié. Ah il est plus dans le VOC, ah merde. Oui non il est plus dans le VOC en fait. Plus dans le VOC mais il est muet. Il est juste totalement oublié en fait. Il est muet, et vite détruit les météorites. Non. Je suis foutu de la merde, c'est ta faute qu'il y a. Moi je me tape le monstre moi. Ah, est-ce que ça fait des dégâts au monstre dans le tirage sur les météorites? Mais putain, mais je peux plus monter! Au chaud, mais j'ai tout cassé!
J'ai frappé les écailles là, Enzo, ça lui fait très mal. Bah, les espèces de grosses écailles là qui brillent en bleu. Enculé. Oh, connard. Oh putain, j'ai monté, Lucas, j'avais atterri sur la plateforme et je me suis pris un coup. Mais oh, je t'ai stun. D'accord, ça va. Il est à terre, les gars. Non, ça c'est parce que t'as piqué. J'ai la tête. Deux fois c'est 285. Mais Brian, tu sais que t'as une compétence là, si tu charges à fond, puis après tu fais ZL et... Ah non, ça te permet de faire un gros saut. Et oui, sur rien, écoute. Là, là c'est ZL et X, et je fais depuis tout à l'heure. Et... GG. Je vais pas te capter. Salut, je vois que vous êtes contre Narwa. Si vous avez besoin d'un quatrième qui joue corne de chasse, heal, je suis votre homme. Ah, pour l'instant, Brian m'a quitté, donc je sais pas s'il va revenir. Il est parti goûter, mais il va revenir. Ah, il est parti goûter. Bah, pour l'instant, Brian est en 4. Non, mais les gars, j'en ai marre, je me suis pris un coup alors que je voulais esquiver à la base. En vrai, ça va, la Narwaz, j'avais réussi à la faire sans problème. Donc, non, ouais, non, elle est moi, j'aurais pas besoin de, forcément de heal, mais après, Enzo, ça dépend. Parce qu'il y a un gars. Ah non, j'ai raté la game, alors. T'as vu quoi, mec? Non, rien, j'étais en train de dire que quand t'étais nul. N'aime pas que t'as dit que tu voulais me remplacer. Vous êtes RC combien? Je suis RC 33, Kylian est RC 68. Non, je sais plus. Brian est RC 40 et Brian est RC 97. Non, 98, je passe 98. Non, t'es 97. 98 pour Brian, je crois. Non, je suis passé 98. Ah, 98, pardon. Ouais, passé 98. Oui, c'était ce que je dis. Il y a mes corridors ou pas? Non, pas du tout. Bon, ça, c'est pas une grande perte, mais bon. Ah, au revoir. Tu vas faire tomber ce truc, je le sens. Non, allez, tire. Tourne la main, là. Et... Ken, toi, t'es quoi? Ok, il y a les tourites. Passe quoi? 60 quelque chose, 70 quelque chose, là, je sais plus. Sur les balises, t'es... tu tires. Merde, tu comptes. Il y a pas une balise derrière. On peut penser ça. Mais monte dessus, connard. Pourquoi tu voulais y aller au corps? J'ai mis un gros coup avec un rocher qui vole. Tu crois pas, il est au corps à corps sur les météorites? Bah, tu sais que c'est pas facile à faire ce truc, hein. Foncez lui dessus. Je suis plus de 100, je crois. Ah, bah, celui justement, il se connecte à mon tracteur, d'accord. Sorine, on lui a donné envie de jouer, je crois. Et après, ta main, là, l'autre, il y a ce cornichon. Il y a des produits qui va pas avec. Ok, ok, il est mort. Alors les gars, là, Willy va y avoir un Narwa et Ibushi, je le connais. Je parle pas pour toi, je parle pour les deux qui n'ont jamais affronté. Mais t'inquiète, gros, je regarde. Oui, Narwa va violer Ibushi, c'est ça? Ouais, du coup, faut tirer sur Narwa et pas sur Ibushi, ça sert à rien. Ok, c'est noté. Il y a un putain de mitrailleuse, des points. Du coup, je suis très malin, je vais... En plus, du coup, moi, la première fois, je vais mitrailler Ibushi parce que je me dis, vas-y, il est presque mort, je vais le tuer en premier. Bon, bah écoute... Je suis en train de mitrailler Narwa, frère. Non, je peux plus la tirer, cette salope. Tirer dans sa grosse paire de côtes. Pardon. Bah non, du coup, ça sert à rien, elle est en train de se défendre dessus. Voilà, il bouchait du vent tué, c'était très compliqué, les gens. Attends, je dirai ton message après, sorry. Allez, on DPS. Bah du coup, on peut le DPC, mais c'est genre pas vraiment un DPC, mais il y a des ressources par terre. Ah, ok. On peut le DPC, les bouchis, là. En même temps, ils auraient quand même vachement jaloux de mettre. En fait, tu vois, ils auraient plus simple, c'est qu'au lieu de le DPC de se faire TPV par la Narwa, parce que du coup, au moins, il aurait disparu. Bah en fait ils ont mis des petites pierres par terre. Et d'accord. Tu peux ramasser tout. Alors Sorine, par contre j'ai eu ton message, je suis RC 116. D'accord, donc Sorine RC 116. Pas très bien. Ici. Et après j'avais vendé le jeu avec quand t'avais dit frère, plus de 100. Putain, je regardais le chat. Mais là mais quand, je vais crever. Quand t'avais lu Cover me bitch. Ça va, hein, quand même. Et merde. C'était pas vraiment nécessaire. Non, je suis paralysé. Jamais. Merci mon loup. Oh putain, loup. J'ai essayé un peu sûr. J'ai joué déjà avec mon petit frère, mais comme on avait fait toutes les missions, j'ai arrêté. Je peux comprendre. Sensible. Bah ouais, alors on va plus attendre le DLC, je crois qu'il sort. Il sort quand d'ailleurs le DLC d'ailleurs. On est en été 2022. Alors j'en sais rien du tout par contre pour le. Été 2022. Été 2022. On a le temps. Ouais, mais putain, mais c'est hyper loin. Après le bac. Ça sera un gros DLC, donc c'est un peu normal en vrai. Hein. Après le bac, c'est chiant.
Nous là, on est là en fait, moi j'ai jamais fait le Valtrax, on a fait tout à l'heure le Valtrax et on avait aussi fait terminer le Kuchala d'Aura et là on est en train de faire la Narwa plus Ibuchi. Dès qu'on pourra, je sais pas si on pourra dans ce live, je sais pas si on aura le temps, mais faire la Treustros ce serait pas mal. Bon, ouais. Droite, après, j'ai fait mal. Tu vois, c'est ça le problème. Non. Ouais, après, non, c'est bon. Non, je ok, à terre, visez les couilles. Quoi, il m'arrive un petit peu de nous insulter pour l'avoir abandonné sur la Narwa quand même. Non, t'inquiète, il m'a dit de faire de la course sans lui. Ah, ok, bah c'est bon alors. Oui, il avait dit. Il avait cool. C'est lui, hein. Je vais faire un peu de ok, attention les gars. Ah oh, putain, il y a des spots directs sur une baliste. La chance. Mais pourquoi je suis paralysé? Parce que je pense que j'ai quoi de compte chez la première fois. Oh non, mais on vole toutes mes armes. Dose, hein. Il y en a 5. Bah oui, mais le problème c'est que comme par hasard, il fallait que les deux qui soient à côté de moi soient prises par les deux autres mecs. Ok, les gars. Et ouais, alors déjà, mettez-vous vos extrémités. Et déjà, j'ai envie d'aller toucher la grosse boule au centre là. Vas-y, allez-y au milieu, putain. Au milieu? Ouais, putain, mais je me fais taper par... Non, je me suis tapé par les trucs! Oh non, mais t'es une bite! Les gars, trois fois d'affilée, je me suis tapé par les trucs! Et toi, t'arrêtes de me frapper? Ah, je voyais même pas que t'étais là, tu vois. Oh, j'ai pris un socle dans la tête, par contre. Elle prend vraiment le chien dans la tête, hein, la Narwa, par contre. Ouais, les gars, vous pouvez les têtes à tomber. Il va y avoir une mitrailleuse, voilà, donc utilisez-la et tirez sur la Narwa. Vous pouvez têtes à tomber. Je comprends que dalle ce qui se passe. Allez, prends-moi! Bouge ton cul de merde! Mais putain! Voilà! Karma! Ah, regarde, t'es sauvé de toute façon, t'es sauvé, c'est bon. Vous étiez épée longue corps de chasse. D'accord, bah moi je joue comme tu peux le voir, Sectoglaive, qui aime généralement marteau, mais parfois ça lui arrive de jouer lance. Et Brian, je crois qu'il joue épée longue, je crois, non? Tu joues épée longue, Brian? Moi j'alterne entre beaucoup épée longue en ce moment, ouais. Après là je monte un marteau. Moi je joue. En vrai, moi j'alterne entre plusieurs armes, je joue quoi? Épée longue, marteau, corps de chasse. Après je joue quoi d'autre aussi? Épée bouclier. Merde. Sur seconde épée et longue principalement. Ah d'accord. Un gros épée qui est là en fait. Tu as foutu dans la gueule. On peut se couper la queue si vous voulez. Hein. Bah découpe-la alors. Mais putain, arrête de me tuer dans un coin ça. Mais pourquoi t'as me touché? Ah mais j'ai coupé la queue mais j'ai un marteau. Pas pareil. Ezo, la queue Ezo. Bon, déjà, c'est trop OP, je me suis train à la morfouage, c'était rigolo. Oh putain! Bah, Brahim, il est là, morfouage en plus. Morfouage, Brahim, il joue morfouage, lui. Non, il faut faire la volto. C'est vrai que la corne de chasse, là, quand tu fais le combo, là, où tu colles un fil sur le mec et qu'après tu exploses les oreilles, c'est violent. Il est comme ça, mon homme. Il n'y a pas de temps que là, mais moi ça me dérange. Attention, pas. Attention, il lance des anotoniques. Merci, Edo. Lui il a un peu été, mais lui il a rien. De rien. Lui aussi il a rien. Moi, Shaolin. D'accord, j'ai raté. Mais tu vois, ça me dérange pas, même si. Moi, Shaolin. Quoi? La dernière attaque l'a pas touché? Lui, il faut accepter. Surtout que je heal avec la corne, plus empêche d'être étourdi et le buff d'attaque et la défense. Ah, mais toi aussi tu prends. Attends, quoique. Moi je prends la corne de chasse de la Narwa, moi du coup je peux mettre un bonus de soins passif et un bonus de soins quand j'utilise les attaques, donc c'est... Mais les gars, juste les bulles, elles viennent où en fait? C'est bon là. Bon, merci de votre réponse les gars. Ouais, en fait, on continuera de ne pas t'écouter à l'avenir. Ouais, c'est ça. Il a dit ouais, c'est ça. Pour la corne de chasse de la Narwa, ok, ouais. Attends, je la trouve bien, elle a beau faire moins dégâts que les autres, de la qualité pour les temps, c'est un arme de soutien. En fait, elle fait bien son rôle de soutien. En fait, pardon, bah oui, bien sûr. Attends, on a plus qu'une vie. Ah, mais oui, c'est vrai que Brian il s'est fait buter comme une merde tout à l'heure. En même temps, c'est un peu des piliers. T'as tout compris. Bah, est-ce qu'il voulait? Bah, merci. Si vous laissez faire tout à l'heure, ceux qui vont vite, bah, il fallait rusher en fait. Bah, merci, Enzo. MDR, tu t'es fait bolos. Ouais. J'avais pas vu comment il est mort. Ah bah, je vais voir, il s'est bien fait bolos, oui. Bon, on va remettre d'abord, comme t'as dit, on va pas refaire parce que c'est difficile. Allez, tiens. En vrai, il a foutu une Narwa truc alors que je suis RC 33. Comme ça, c'est ça le problème.
Je sais pas si vous avez remarqué les mecs, mais on a plus qu'une vie. La pote à qui? Brian. Et toi? Alors je te baise. Toi, il est pardonné juste parce que je sais pas en fait pourquoi on le pardonne. Je pardonnais parce que moi c'était une mort legit, alors que Brian lui c'est parce que c'était vraiment une mort de merde. Alors attends, pourquoi toi le... Vite! Sur son ventre! Non, c'est grosse coupe, pardon. Ah oui, pardon. J'avais vraiment envie. Pourquoi ta mort est plus légitime que la mienne? 367 fois double. On va quand même assez vite les piliers. Aïe. Salope. Là, on évite de crever. C'est la meilleure idée que tu pouvais donner, mec. Maintenant, faut trouver la manière de ne pas crever maintenant. C'était un peu plus compliqué. Ouais, Marine, quand il va arriver, on aura déjà tué, je jure. Ouais. Possiblement. Elle brûle! Moi, là aussi. Je sais pas, en même temps, pense bouffer le cul aussi. Pour j'ai trop vite. Les gars, je prends un téléportogène, je rentre. Les non, couilles! Je prends, moi, je crois. J'ai plus de live. De heal. On lance ton stream alors. Ça a explosé écrit sur moi là. Ah, mal bleu. Non, pas du tout. En fait, j'ai esquivé à l'opposé, donc ouais, pas du tout. Le film d'animation. Justement, on en parlait il y a 5 minutes. Mais vous avez vu le film d'animation Monster Hunter sur Netflix? Ah, bah justement, on en parlait. Non, j'ai pas vu. J'ai pas encore vu. J'ai vu qu'il y avait une série qui allait sortir en. Brian a dit qu'il avait vu, je crois. Non, j'ai pas vu moi. Je viens de dire un truc, j'ai pas vu. Ah, pardon. Je le verrai quand j'aurai juste après la, au pire, juste après la partie. Mais toi, sérieux ou pas sur ma tablette, enfin, je vais taper Monster Hunter sur Netflix. Je vais prendre un missile. Sinon, non, on l'a pas vu. Enfin, moi et Enzo, en tout cas, je crois pas qu'on l'ait vu. Non, rien non plus. Ah, rien non plus. Donc là, personne l'a vu là. On sait juste qu'il y en a un, mais on l'a pas vu. Mais il est sorti récemment, non? Ouais, il est sorti en juillet-août. Il est sympa en vrai. Oui, je l'ai vu, il est sympa en vrai. Ça part de quoi? À part de monstres et de Hunter. Vas-y, ouvre ta grande gueule là, que je tape dedans. Ok, il y a un couchelat d'Aura est apparu, pardon. Vous savez, il y a un couchelat d'Aura qui apparaît comme ça. Ah ouais, ah, on va se faire démolir. Oh mon dieu! Ouais, tu vas comprendre pourquoi il y a un couchelat d'Aura. En fait, il y a le choix soit entre Magma Malus ou le couchelat. Mais du coup, ils vont se battre? Ouais. Oui, en fait, c'est soit le couchelat, soit le Magma Malus, soit le. Soit la Tassera. Vas-y, le mec qui a le couchelat, c'est qui? C'est Brian? Brian, maintenant, c'est toi de jouer, il faut que tu inities. Voilà, voilà quoi ça avait montré. À part le héros que tu as envie de claquer qui sert à rien en vrai. Ah d'accord, donc tout est sympa, c'est le roux, non? C'est pas le roux dans World. Elle a essuyé, elle a pas essuyé. Les gars, prépare-vous, la musique qui va arriver. Ah, la musique, je la connais. La meilleure musique de tous les temps. Ah bon? Ok, d'accord. Tu vas comprendre. Merde, j'arrive pas à... Mais écoute Enzo. Je suis rien pour ça, moi. Comment tu savais qu'elle allait arriver? Oui, c'est le roux MDR. Bah, okay, dit, c'est d'accord, c'est ce à quoi je pense, ok. Le roux s'appelle Aiden. Mais c'est quoi cette musique? Oh! Bah, ton avis! J'arrive pas à monter sur la truc. Ouais, mais y'a un truc qui. Ah, non, mais c'est la musique de. Ah, mais merde, depuis là, je suis Kylian et je pensais que c'était moi qui tirais. Putain, Dragon Lander, mec! Préparez-vous, Brian, pour voir. 200 pour les gens. Ah, vas-y, je vais direct au niveau des. Brian, vas-y, tu esquives les gros piliers maintenant. C'est bon, c'est bon. Vas-y, go, tapez là! Je vais direct au milieu. Non, c'est moi qui vais frapper, Enzo. Non, Brian, pareil pour toi. Non, mais regarde. Non, drôle. Ah, bah, Brian, il est quoi? Oh, il est gros couille. Il est pas à l'aise. Ça sert à rien de me frapper en fait. Mais c'est pas en fait, moi. Si tu m'as frappé. T'es capable de mourir à côté, voilà. C'est quand qu'elle meurt? Quand elle sera morte. Merci Brian pour merci pour ça, pour ta précision. Je vais me dire des fois trop avant. Franchement, moi. Mais d'un côté, il a raison aussi, franchement. On a des problèmes de manière, les gars. Après, elle a dit qu'elle a. C'est moi la vie qu'il y a de manière extrêmement violente. Ouais, mais d'un côté, de manière extrêmement violente aussi. Apparemment, ah, jusqu'à ce qu'elle mette ses gros éclairs là, qui putain, sont carrément inévitables, ouais, là, c'est chiant. Ça,
Les gars, on va y arriver. Je le sens, les gars. S'il dit ça et qu'on se prend le karma dans la gueule, franchement, je le baise. Les gars, cours ta mère. Brian, sonne-toi. Mec, si tu meurs, je vais venir chez toi avec ta clé. Les gars, on peut pas mourir avec le microphone. C'est impossible. On va bientôt crever là. Maintenant, je connais. Non. Mais mec, mais j'ai même pas le temps. Non. Ok, c'est bon. Putain, j'ai peur, mec. Moi aussi. J'ai plus de potion. Moi, ouais, ça, ma gueule, mais... J'ai plus de potion. Comment on fait? Bah, tu le prends, une sorte de plus une merde en ton inventaire. Ça s'appelle comment? C'est lequel symbole? Dis le symbole. C'est une fumée verte, là, dans ton inventaire. Fumée verte. Je l'ai mis. Et comment on fait des potions? Bah ouais, il reste encore 9 potions et 9 méga potions là. Bah moi j'ai plus rien. Pauvre noob. Ah bon, on crée des potions qu'on va créer là. J'aiguise mon engin, chers amis. Voilà. Bon, je vais pour créer des potions. Attends. Kaido, on va te battre. Normalement, ça va en lui, là, je me débrouille. T'inquiète pas, souris, je vais m'en occuper. J'ai déjà quoi? Plus de heal contre Lana Roi, MDR, dur. Ouais, j'ai plus de heal. D'habitude, c'est Brian qui m'en fournit. Attends, si t'as tourné mais qu'il est à coup aussi, il y a un problème. Brian, c'est mon dealer en fait. C'est très réducteur quand même hein, pour Brian. Non, Brian, pas Brian. Ouais. Ah, oui, attends, j'ai jamais vu. J'ai vu, j'ai donné 200 moi. Quelqu'un veut me dire comment on fait des potions? J'ai pas fait l'école de potions à Poudlard moi. Avec de l'herbe. Sans blague. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est le chasseur des mutants, quoi. Tout faire à sa place. Bah, en fait, je suis un chasseur, mais pas un guérisseur. Mec, tu sais, un chasseur, t'as vu quelqu'un téléportogène pour te fournir. Hein. Attends, j'ai un set où j'ai des potions, j'ai pris des potions. Il faut l'allumer. Tu vas juste dans ta tente, tu fais inventaire, coffre, inventaire. Normalement, tu trouves. Je m'en souviendrai pour la season. Alors bonjour, il y a des anneaux partout, c'est normal? Qu'est-ce que c'est doué moi? Et toi t'as fait que 4 doigts. Mais si t'es pas doué, c'est bien, tu vois, il fait un ton téléphone. Il est en train de faire ça pour 40. Trop pressé, bah il ne marche plus. Allez, je me suis pris un petit coup dedans, les mecs. Dans les couilles. Quoi? Mais Brian, bien joué le mec qui est sorti de sa cul. Bien joué le mec qui est censé savoir jouer là. Mais les gars, t'es couché par terre, ils ont pas dû faire des dégâts. Le mec est le plus haut rang. Zéro fois, putain. Et on nous a pas dû faire des dégâts. Brian, dis-moi. Ferme-la, toi. Vous savez jamais les flashs et autres haines. Bah, ouais, avec mon gros marteau, là, c'est bon. En fait, à la base, celui qui utilise le plus, c'est Brian, mais bon, vu qu'il est pas là. Forcément, bah... Mais Brian, t'as foutu quoi en fait? Parce que t'as dit que j'étais à terre et alors, comme il y a une attaque sur moi. En fait, je t'explique. J'étais à terre, du coup, je me suis enlevé et vu qu'il y a une attaque sur moi pour avoir des dégâts, et bien, on va quand même faire des dégâts. T'es vraiment une merde, mec. Vous avez pas dû faire des dégâts, non? T'es vraiment une merde, putain. T'as le plus gros chasseur, mec, qui meurt deux fois. J'ai un bad timing. C'est pas un bad timing, t'es nul. Mais si! Mec! En fait, vu que Brian est littéralement FK, tu peux venir s'il te plaît, on a besoin d'un soigneur là.
Je t'envoie un MP, l'idée. Bon, bah, plus les amis, merci pour le live. Je trouve dans ma liste d'amis, attends, tu, non, ah, tu es là. C'est quoi l'idée, attends? Je veux pas dire. Je viens de ta Dragibus dans mes. Tu y avais Dragibus dans mes. Mais l'idée, je l'ai déjà sur mon serveur, normalement, l'idée de ah, mais je crois que je lui ai pas mis le grade. Attends. Oui, je lui ai pas mis le grade, attends. Je vais lui mettre. KBB84M, voilà. Alors, Soren, tu es où? Tu es là. Les chasseurs de monstres. Ah, sur une va sur le serve et tu. Ah, mais non, mais attends, faut le remettre. Non, parce que sinon il verra pas l'historique, je crois. Oui, qui va jouer avec nous? C'est sur une. Bah, attends, mais Brian, tu joues ou pas là? Bah, oui, pourquoi? Bah, voilà, attends, je vous dis. C'est pourquoi vous dites que Brian il se bat? Non, Brian. Mais oui, mais là, mais Brian, mais putain, quand quelqu'un dit Brian, j'entends Brian, et quand quelqu'un dit Brian, j'entends Brian, d'un truc de fou. Oh là là. D'ailleurs, je me suis dit que quelqu'un dit Brian, il y a un peu Brian dans la liste, mais. Oui, moi je pensais qu'il avait bugué ou quoi, tu vois. Il a même dit, mec, littéralement, ouais, les gars, il a fait les gars, il a fait les gars, mais c'est pas intéressant aussi, quand tu écoutes. Bon, personnellement, j'ai arrêté. Ah, mais t'es encore là. Bonne soirée. Ah, mec! Ah, c'était marrant! Un clip, ça! Oh. C'était le clip, mais. Après, j'ai le clip! Franchement! C'est quoi le code secret 80? J'ai Van et Brian, tu vois! Parce que mec, c'est quoi le code? Il y a un code! Le code, mais j'en sais rien, il me dit qu'il y a un code. Ah non, faut qu'il rentre l'idée VKVB84M. Il me dit c'est quoi le code secret 4 chiffres. Ah, mais non, on a pas besoin de le taper. Alors, j'en sais rien, lui il doit le taper apparemment. Donc, c'est quoi le code secret? Peut-être parce que nous on était en ami avec Brian. Ah, peut-être. Bah, le code secret c'est possiblement 1234. Tente 1234. Mais pourquoi tu leur mets l'idée, trop de cul? Voiture. Après, je lui ai déjà mis l'idée. Bah, ouais, moi je le vois pas en fait, ça pour moi. Je sais, mais je l'ai déjà mis en fait. Oui, je l'ai remis. Je te l'ai. J'ai l'impression que lui. Donc, t'es RC72. Hein. Très bien. Je comprends pas. T'as mis combien de temps là? Sur 3, il faut tourner. Le code, je sais pas, tente 1, 2, 3, 4. Oh non, c'est bon, ton son est carrément bas. Là, c'est mieux, là. Ton son est carrément bas alors que t'es au max. C'est pas ça? Oh, attends. Je refais le lit. À 10h, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce con? C'est comme l'autre. Ah ouais, mais t'es folle quoi? Quoi, 10h? Aïe! C'est moi qui fais le lobby, Kylian, je te baise. De toute façon, je sais pas comment le faire. Je sais pas, j'ai quand même dit au cas où. Enzo, il peut dire 16h, Enzo, si je réfléchis pour l'ex-match, j'aurais dû faire une dernière perso. Mais lui aussi, c'est pas écrire là.
Mais mec, ça s'appelle la logique. Demain, il y a un live smash. Je crois que c'est la première fois. Il y a juste des 10h. Moi, demain, je vais pas à la fête, je viens avec vous, les gars, quoi. Bah après, ouais. J'ai rendez-vous à 16h, mais bon, pas vraiment le time, quoi. Mais en fait, toi, tu vas te tailler à tout ta mur, là, chez toi, en bus, en battra les couilles royales. Hein, en vrai, tout seul, en vrai, je m'en bats les couilles. Attends, du coup, le code, tu l'as ou on attend encore? Je suis en train de créer. Eh ben, je te demande, à partir de venir ta gueule, carrément. Toi, ta gueule. Quoi? Comment ça, ta gueule? Mais... Est-ce que tu m'as dit ta gueule? Alors... 8, 5, 2, 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 2
Monstre. Merde. J'ai raté. Hein. Mais non, je peux... Ah mais non, mais je peux plus faire là. Oh non. Donc moi je suis pas bon. C'est bon, tout ça. Ouais. Ouais. Tous les deux, ça. Voilà. C'est mieux que les fauchons, ça. C'est une peine que j'ai pas fait un sainteur, mon dieu. Bah, c'est vraiment important. Oh, du coup, tu l'as jamais dit, vous cassez les pieds. Ta gueule. Moi, je veux pas la voir, hein. De toute façon, si vous avez des places libres, ah bah, franchement, t'as raison, en fait, on va sortir de place, hein. T'as raison, je fais la même. Totalement raison, je l'aurais fait la même, t'inquiète, on t'en veut pas. Bibi, ça fait plaisir, toi, tu as tant envie de ça, de nous stocker et de nous rejoindre. De nous stocker, mais moins de nous rejoindre. Bon, le pire, c'est quand même quand si tu tombes contre la racienne et super vénère là, ça te branche, donc toi, tu fais exploser la gueule. Bah, t'es Austral, les mecs, je sais pas si tu vas remarquer, mais elle aime bien s'exploser. Ouais, c'est pas bien, ouais. T'es Austral, j'ai mis T'es Austral, le gentil, c'est tout. Alors lui, bon. Le coffre, allez, demain. Qui avec nous là? Ah, je prends le magnum. Alors, les gars, en fin de compte, je pense que je vais abandonner la mission. Ah, c'est ça, t'as un temps de chasse comme ça, oui. Mais ouais, je vais abandonner la mission en fin de compte, les gars. J'abandonne. Qui prend la Théostra? Je tape dessus, c'est tout. Je vais abandonner, toi. Non, mais c'est quoi, je prends la Théostra? Je prends la Théostra, voilà. Tu dois partir. Non mais toi, va faire fort toi. Je vais mériter gros. Si je prends un coup dans le dos pendant le fight, t'étonnes pas. Hein. Moi du coup, je vais sur une scène de la tête, les gars, ça me dérange pas. C'est vrai, il a vu le camp, le boulard, du coup, il était là-bas. Ouais, il a la fin. Ouais, je vais le retourner, moi. Les gars, je vous dis, derrière moi, je suis pas au combat, les gars, démerdez-vous. Le problème avec ce jeu, c'est qu'il est chiant si on joue seul. Ah oui, ça par contre, je suis totalement d'accord. Quand tu joues seul à ce jeu, mon pote, c'est. Mais quand tu joues avec cadeau, c'est encore pire. Je t'ai pas toutes tes quêtes, c'est tout chiant. Je vous dis, les gars, je vais vous émerger, c'est ce que j'ai à dire, les gars. Je dis ça, mais là, la quête de Marin, c'est qui t'a gagné, qui a fait plus de mort en vrai. Donc, je dis ça, mais c'est plus de mort. T'as vu? Alors, tu peux sauter, mon chien. Là, c'est pas, je dis tout le temps par où faut passer pour aller à un endroit. Moi là, je fais le tour. C'est bon, j'entends un énorme bruit du côté de Sorin. C'est le train. J'entends un gros. Ça veut dire qu'il y a un monstre là. Oui, c'est, ça veut dire qu'il est tellement en train d'affronter un monstre. Il se tape avec les chambres. Bah, vas-y, j'arrive, c'est le train. Mais c'est quoi, j'ai t'entendu ici. Bien sûr, parce que tout le monde pour probablement à la fin du live. Vous regardez quand il y aura des places libres. Le moment où il y aura des places libres, c'est quand ce sera la fin du live. Je sais pas, on va que je veux bien donner ma place à Darkness. Merde, j'ai pas réussi à me rouler. Je veux bien donner ma place à Darkness, on va le. Bah, c'est bien alors. Bah, ouais, donc faire des chuchotes. Il y a l'araignée sur le côté, hein. Ah ouais, ah, quel bon pour avoir du bout de papier, en fait. C'est comme maintenant que tu viens de comprendre. Bah non, j'ai pas fait attention, c'est vrai qu'il y a eu des arcs. Ah bah tiens, il se bat. Non. Non, vas-y, le caca prend le truc, moi je prends la Théostra, je vous baise. Ah, je peux la bouder. Si quelqu'un prend la Théostra, vraiment, je le baise, mais sauvagement. Théostra qui a le train de s'enfiler en chien. Ouais, ils volent. Oui, ils volent. C'est le principe des ailes, connard. Oui, il va exploser.
et au sol. Tabassez-le, je fais la mort. C'est bon, je suis en train de brûler. Pas moi, je suis en train de brûler. Bah, normal. C'est quoi là, actuellement? Ah, d'accord, en fait, c'est le Zoen qui est en train de cracher sur la tête. Mais putain, mais non, mais. Mais pose de mon arbre aussi, merde! Mais d'accord, en fait, on brûle constamment quand on est à côté d'elle. Ah, pardon? C'est bon ou la Tosa a vraiment violé l'arachne? Et nous, t'as passé une bonne journée? Oh, oui, pour moi. Il est obligé de me laisser ta place. On est seul parce qu'il y a une arachne Kadaki, donc il a pas envie de jouer. Donc en fait, si tu peux prendre ta place. En fait, Ryan est arachnophobe, donc il a peur des araignées, ça se trouvait, je pense. Et après, c'est une arachne Kadaki. Putain! Qui est une grosse araignée, normalement. Voilà. Bon, alors toi, mec, je vais descendre ton cheval, je vais ton chien, pardon, je vais faire une GTA 5. Mais mettez pas vos chiens, prenez les chats, bande d'abruti, déjà. Bah, moi, j'ai pris le chat, moi. Les chiens, c'est ceux qui comprennent pas l'utilité des chats. Si, les chats, ils ont une très bonne utilité, c'est-à-dire tous les équipements qu'ils posent. Bah, surtout pour lui, tout ça, quoi. Nyark, nyark, nyark. Il arrive. Il y a eu les petits enfants. Elle explose. Attention, il va exploser. Voilà, c'est pas très grave. Mais du coup, tu sais que si on se rit, t'as aimé que les kids sortent sur ce match. J'en ai aucune idée. Je pense que ce serait une balère. Carrément. Mais bon, il est pas là, donc je peux au moins l'attaquer un petit peu, quoi. Je vais vous aider un petit peu. Alors, il vient un petit peu vous aider, pas me faire marcher, aider un petit peu. What? C'est passé quoi là? Pourquoi j'ai volé? J'ai étourdi, il y a assez de moments là. C'est en blague, sérieux. Viens là, mon petit. Attention. Attendez, je suis pas Will. Moi, oui, j'en ai besoin du palico là. Alsbar. Ah, il a pas aussi. Ah, c'est quoi, c'est plus rare que la vie, c'est pour ça. Mais reviens, en fait, j'ai vu. Ah, ouais, il est là, bon, j'y vais. Mais attends, je voulais déguiser mon nom, je suis con. Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai mis. Ah, mais parfait, c'est normal. Dans ma vie, j'aurais jamais été aussi rapide avec des hélicoptères pour me barrer quand je vais avec quelqu'un qui me vient en gros en été. Alors, tu me fais moi là. C'est bon, t'as réussi? Allez. Comment ils étaient tous là-bas encore? J'ai pas compris. Bah, attends qu'on arrive, non? Moi, j'étais en train de s'aiguiser mon arme, mais je trouve que c'est vrai, j'ai la souris là. Non mais. Ouais, non, je vais m'arrêter les commencer à venir, j'ai taillé le plus vite possible de faire un bras ou la pioche 3 là, il s'est senti venir. Attention, explosion. Je ne voudrais pas que j'utilise le Discord parce que je connais bien le Archer qui va tenter de balancer un gros. Oh les gars, j'ai vu la machin. Ouais. En vrai, ça me dégoûte parce que j'ai bien voulu réagir avec vous, j'ai envie de dire entre nous et on voit le perso et on réagit ensemble, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui disent ça va être serein, mec, mais moi je pense vraiment que ça va être serein. Moi je sais rien. Et je m'en fous. Parce que ni il y en a plein qui disent ouais, il va sortir, je suis venu, je vais me sortir, voilà. Par contre, moi ce qui me fiche, c'est que je suis tout en train de regarder la minimap que l'adversaire ou alors ma barre de vie. T'es aussi en partie du truc, j'ai. Bon, Darktest, t'as pas répondu à ma question en fait. Pourquoi ça va exploser? Aïe. C'est bon, il est contre moi. Sorry, tu pas le monstre, hein. Ah, mais hein, dans tous les cas, ça fait rien. Sorry, il vient m'empêcher de mettre n'importe quel coup de marteau possible. C'est ça, le marteau. Vous avez protégé le monstre. J'ai entendu, je suis sus. Ah oui, Sorry, c'est un protecteur des Tesra, je savais pas. Quand j'ai dit mon arme, j'ai l'impression. Aïe, je brûle, maman. Ouais, pour lui, mais laisse-moi pas mon coca tranquille.
Oh, j'ai le replay. Mais c'est abusé. Mais mec, c'est bon, je suis en train de parler à mon chat, pour une explication en fait. J'ai failli me prendre l'explosion dans la gueule. Merci Sorin, tu régales. De rien. Merde, mais c'est. Ah merde, c'est un endroit bloqué ici. Je me tire. Tu ne le sauras jamais, moi! Et pendant que j'ai déjà, j'ai pas encore failli me prendre une explosion dans la gueule. Oh là! C'est quoi là? Ah d'accord! Ah bon, je me suis fait exploser la gueule. Ah d'accord! Sorin, très bien. Pourquoi on a la chiale là? Parce qu'il s'appelle Brahim. Tu peux servir à quelque chose? J'avoue. Je comprends pourquoi du coup on a pris cher. J'utilise mon engin quoi. Ouais. C'est vrai que je vais mettre des potions de pierre et tout, je suis cool. Tu ne sauras jamais, moi ha 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 ha. Bah, rip. Qu'est-ce que tu ne sauras jamais, Zéo? La date de ma mort. Pourquoi tu demandes à la date de ta mort? Les gars, je vais pas vous dire un truc longtemps, mais. Je pense que je vais me tailler quelques secondes là. Oh non, il va me tuer. Ta mère, on... Ah, il y a la Arnakadiki qui arrive. Bah, en fait, il a dû arriver sur la map, c'est possible. Bah, ouais. Laisse-moi chanter, laisse-moi chanter, merde. Laisse-moi faire de la musique. Cours ta mère, le perso, cours ta mère. Putain. Kian, cover me. Ah non, 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 Elle est venue pour me foutre un coup de pression. Je dois t'avouer que je m'en bats les couilles là pour l'instant. Ça, faut que je mange un peu de poulet là. Ah non. Non. Désolé de te dire, c'est du poulet. Je sais pas, moi, un dodo, une bite. Oh non. Non. Je te baise. Pas exprès. De frapper, c'est différent. Faut se frapper. Il faut jamais frapper quand elle est comme ça, putain. Ouais, il va te dire. Mais mec, j'avais déjà lancé mon attaque, mais d'abord, c'est une animation, perso. Mais putain. Merci pour les soins, mec. On arrive, hein. Avec un pas speed up. C'est vrai que c'est un bon sens. T'es mort.
Ça m'étonne, depuis tout à l'heure, je suis en train de t'essayer de jouer un peu trop le feu en venant alors qu'elle a la tête proche, quoi. Je fais l'effort de jungle et de combattre trop le feu. Mais non, mais quel con! Et LOL, la racaille d'Aki, c'est un monstre de feu, LOL. Vas-y, Magda! Mais putain, t'as trop raté! Trop de cul! Oh, moi je suis RC3 et je suis le village. Bah Darkness franchement, attends plus tard on essaiera un peu de te faire un peu évoluer ton rang de chasseur, tu vois, au calme, tu connais. Mais bon là pour Pokémon, si tu venais avec nous, tu serais littéralement défoncé la gueule, mais genre vraiment. Là, déjà oui, déjà vu les explosions. Même elle t'écrase, elle te one shot. Attention explosion. Non, vraiment, un démon sur tes craintes, t'es mort là. Ouais, bah là, in real life, frère, même un. Je sais pas moi, bah en fait, n'importe quel monstre, tu buts en fait. Oui, donc, un monstre de base, comment ça s'appelle déjà, le gros Tsuchi, je sais plus quoi. Bah, le gros Tsuchi, frère, tellement il est rapide, il me met un coup de cul, il se joue à. Non, mais j'ai terminé l'histoire principale quand même. C'est bien, mais après, c'est quand même pas beaucoup. Là t'as sûrement pas les meilleures armures en fait. Enfin, c'est pas contre toi Darkness, mais bon. Pour te dire que t'es pas encore... là c'est ta place gamin. Globalement c'est ça, hein, c'est notre problème. Et on a fait le choix, hein. Ouais, non, c'est fini. Oh attends, what, j'ai m'a tapé, oh, mais j'ai reçu aucun dégât pour part. Ah bah là, il y a nos exploiteurs en regard de tueur par exemple. Enfin, battu le Magmalo. Ah ça va, si t'as battu le Magmalo, c'est cool. Mais maintenant faut combattre le Rajang Darkness, c'est vraiment que tu combattes maintenant. Puis après la base Elgueuse, puis le Chameleos, puis le Kushala, puis la Terre 3, puis la Roi Ibuchi, puis Valstrak, puis le DLC. Ça va, chacun alors, ouais. Attention, elle fait des explosions. Merde, non. Regardez le chat, du coup j'ai pas fait attention qu'elle avait posé que t'es quoi. Oh non, non! Bien, bon, reculer. Ah, il est plus cher. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Cover me! Ah, bon, t'as soigné? Putain, attends, tu m'as soigné, mais tu m'as soigné de la barre de vie en deux secondes. Bah, ça s'appelle de la poudre de vie, et ça soigne toute la vie. Ah, d'accord, bon, bah, merci. Moi, comme tous ceux qui sont autour de moi. Alors, Darkness est en train de pleurer, je ne sais pas pourquoi. C'est nul, Darkness! Je me tire. C'est quoi? De toute façon, vous continuez encore après, normalement, après ces mobs. J'en sais rien. Oh putain! Ouais, c'est loin. C'est pas parce qu'on dit que je suis nul. C'est Kian qui a dit que t'étais nul, pas moi. Moi, j'ai pas dit que t'étais nul. Et donc, moi je reste ici pour ce mob, tu vois, je casse le pied, mais au moins il me permettra de monter RC, tu vois. Après il me fait des petites potions et tout, comme ça après je te fais un deal et tout, quand même. C'est juste que t'es pas vieux, t'as forcément. Léo, t'as pas dans ta tente toi sinon, au lieu de me taxer? Non. Par contre, regarde, on va commencer à manger, donc au pire, la tête, il pourra peut-être se faire chuter ma place. En fait, t'es bien. Ouais, je sais pas, c'est pas, je vais lui taper parce que. Parce qu'après, c'est peut-être aussi. Pour moi, c'est peut-être aussi le dernier combat. Aïe! Ce qui me frappe! Ah bah en fait, Darkness en gros, il joue pas en fait. Au lieu de laisser une place, au lieu de laisser une place, ça prend beaucoup de. Je rigole, en vrai, rien à foutre XD. Non mais oui, sûrement. Mais après, le Rajon, il a bien de rentrer avec le Rajon. Ma manière de jouer. Je prends très mal en général. Vraiment là, j'ai entendu l'impact entre mon marteau et ta tronche et t'as rien pris. Pardon ? C'était slashé ? Oh l'enculé. Ok. Vas-y, rapproche-toi. On peut aider Sorin, non ? Ce serait pas mal. Attention, faut fuir. Ouais, mais faire les tours, on va laisser tout à fait. C'est que il y a un chien au final, il est autant de toi à venir quoi. Non, autant de toi à venir, ça sert à quoi rien. Non, pas moi! C'est bon, j'ai réussi à esquiver 3 fois!
Et les deux ce soir à 20h30 du coup c'est Nintendo Entertainment. T'as tout compris? Ok. Ouais, je pense que t'es ta place là. Hein? Moi j'ai envie de tuer Donkey Kong. Donkey Kong. T'as envie de traîner Donkey Kong. Bah ouais, Donkey Kong c'est toi. Bah en vrai, ouais, c'est ton vivant, t'es vraiment trop fort. C'est bête. La vérité, si tu veux, quand même, je peux y aller. Ah, donc on fait le Donkey Kong ce soir? Ah, en vrai, on peut. En vrai, si Brian va jouer, on peut faire ou quoi? Vous pouvez faire le Donkey Kong, dis-moi que vous avez la peine de rester avec vous et de faire Donkey Kong de mon côté avec vous. En gros, je le fais moi tout seul et je reste avec vous, voilà. Ouais, c'est bon. Comme la dernière fois, quoi. Comme ça, on termine le jeu et après, on change de jeu et voilà. Ouais, voilà. Ouais. Vas-y, on dit ça. C'est bon, on va faire un jeu avec elle, tu vois. Bon, mais c'est Brian Fora là. Au pire, au lieu de te mettre sur deux, on fait un jeu sur deux. Tiens, ça avance. Ouais, voilà, on va faire un jeu de mal de temps, faire un jeu en entier. Les gars, j'ai peur, les gars, j'ai peur. Je me rappelle que je me suis arrêté au niveau des lombards. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, court, non, c'est pas pour libre. Non, mais un message, je vais le voir. Attention, explosion. Mais vraiment, ça me fait yéger demain, genre je termine plus tard à cause de la peine, mais en plus de ça, je pourrais même pas être avec vous pour réagir sur le perso de Smash, en tout cas, je fouille. Ouais, ça va. Moi, ça me dérange pas à la peine, au contraire, moi, je suis en mode c'est bien, au moins, c'est pas un peu un truc comme ça, tu vois, c'est très bien, au contraire. Mais quand ça arrive, je peux être avec mes potes, au moins, un couteau, c'est chiant. Bon, mais en vrai, moi, je suis content parce qu'au moins, ça tombe pas sur les points les plus importants. Tu vois, les deux, genre, ça tombe sur la même chose, on s'en fout. Et la petite chimie, bah, en gros, voilà quoi, Mais en fait, ce qui me fait le plus chier, c'est surtout pourquoi. Je veux un perso Smash, il sort au moment où je dois faire le truc. Je suis dead, je veux pas être avec vous pour regarder le perso. Je vais pas mourir en blinde au militaire. S'il est tourné. Bah, j'y vais pas avec moi. Mais c'est à César le revue du perso Smash. T'as tout compris, Darkness. Ouais, et moi j'ai la pub jusqu'à 16h50. Il va exploser la gueule. Il va exploser là, non? On l'a déjà défoncé. On l'a tapé si fort. Ouais. Tu vas te calmer, maintenant. En tant que tour, on doit trouver des armes contondantes aussi. Maintenant, pour lui faire sa gueule. Ouais, il va être fatigué là, mon ami. Franchement, ouais. Fatigué, le mec il va se faire broyer le crâne, tout ce que tu veux là. Normalement il est mort hein. Ah, Darkness qui termine à 16h15, moi je pense que je termine à 16h. Attends. Ouais, moi je termine à 16h, mais bon j'ai des milliards de marques donc je suis même pas sûr d'être là au final. Hein. Moi je termine à 16h aussi, mais ça dépend. Je sais pas combien t'as temps de marche Darkness, mais moi j'ai un petit temps. Et alors pourquoi celui qui est malheur? Non, 16h20. T'as vu quoi? Ouais, actuellement il est en train de. Donc, il est pas le quatrième. Brian, il est pas le quatrième. Voilà, il est Kadaki. Tu es une Rocknob. Non, mais t'es sérieux, je joue pas dans ce cas-là. Ça sert à rien quoi. Ouais, il savait pas qu'il allait avoir un truc Kadaki quoi. Bah, en tout cas, en vrai, t'aurais pu le deviner parce que la Théostra c'est quand même un monde de lave. Enfin, c'est forcément une force. La Rakna c'est un monde de lave aussi. Un mob que j'aime bien, un mob que je déteste, c'est normal. J'ai pas compris de ton élément dans le. En fait, en haut, il y a un mob que j'aimais et un mob que j'étais, c'est normal. Ouais. Ah, bah écoute, il s'allie pour te défoncer. Allez là! Voilà, bon, c'est ce que je suis. 2 marches pour rentrer chez moi. 5 minutes de marche pour rentrer chez moi, il a dit. Bon, ça va, putain, t'as pas compris. Ah, ouais, bon, ça va, t'arrives au collège, t'es quand même là avant moi, quoi. Alors, t'as mis plus tôt en plus. T'as mis à quelle heure demain, toi? 16h, mais du coup j'ai une demi-heure de marche, donc je fais l'inverse à 16h30. Ah, je vois, en fait, c'est 16h30, c'est 4J. Ouais, mais normalement, je suis quand même largement. Mais Kian, c'est de la difficile, Kian. Avec Arthur et le reste, là, vous restez un petit peu par 16h, vous regardez en deux heures. Ouais, mais moi, je préfère demain rentrer chez moi plus tôt et juste ensuite regarder vos disques plus tard, quoi. J'avoue. Après, des fois, faut juste que tu dis la petite histoire, parce qu'après, tu connais Arthur, mec. Non, mais tu fais pas trop de regarder sur lui, quoi. Un truc, tu peux pas chier, quoi. Bah, ouais, bah, on va dire, les personnages. Je crois que j'aurais envie d'acheter Splatoon 2 avant de rentrer. Comme tu veux. Je vais dire que c'est une bonne idée, Splatoon 2. J'avoue, bah, ouais, c'est pas une bonne idée de Splatoon 2. C'est pas une bonne idée par rapport au fait que Splatoon 3 va bientôt sortir et que. Si on vous rappelle bien, Splatoon 1, il vous permet tous les serveurs de Splatoon 1 pour que les gens aient des vitalités sur Splatoon 2.
C'est-à-dire, en gros, tu vas faire la même chose avec Assassin's Creed. Genre, dès que tu vas sortir, on va fermer tous les serveurs sur Assassin's Creed, quoi. Ouais. Tu peux dire que t'as acheté un jeu où ils vont fermer les serveurs, ça va être chill. Splatoon 1, ouais, mais. Splatoon 1, tu vois, il était sur Switch, enfin il était sur Wii U, et là il est, là c'est sur la Switch, donc je pense pas qu'ils vont fermer les serveurs. Ah voir. Parce que dans tous les cas, ils n'avaient pas à fermer les serveurs sur Wii U pour ceux qui voulaient jouer, ils n'avaient pas. C'est vrai, c'est un peu abusé quand même. C'est genre, t'as un nom, t'as un temps, tu sais, genre, c'est un... Attends. Brahim, là en vrai, tu peux venir, hein, pour taper le monstre. Ah, ça là. Pas la Ragna. Attention, il explose. Le niveau. J'ai pas pu expliquer. J'ai smartphone mon animation. Là, ça rime, ça fait des gros dégâts. Il est battu comment, hein, j'étais pas là. Sorin s'est pris une méga explosion, mais là cette fois il est pas mort. Ok, merci de vos conseils. Ça fait plaisir. Darkness. En tout cas, c'est quand même dommage. Hein. Plus de 3, il a l'air pas mal. Et pour t'insulter aussi, parce que tu joues mal. Je te smart. Ashbar. Qui joue mal? Oh, c'est ça, il revient pas, toi. Ah, c'était une blague, Je parlais même pas d'une personne dans le Discord. Ah, dommage. Kylian. Eh ben écoute, moi je suis un pauvre capuchin aussi. Fais du toboggan. Enfoiré. Regarde, Aizen, va se battre avec moi au final, il va arriver en même temps que moi, du coup le chien il servira à rien au final. Ouais, mais je m'en fous. Mais attends, on est où là en fait, Kylian? On est pas genre au mauvais endroit. Je suis le seul qui est arrivé en fait. Ouais, en fait, je crois que moi, pour moi, c'est un labyrinthe. Hein. Ah, même pour moi, la map X, c'est un labyrinthe. Oui, je suis d'accord, hein, mais faut que tu essaies de voir où sont les. En fait, le truc, je crois qu'on était tellement concentré à se taper dessus que. Suffisamment pour. En fait, je joue pas suffisamment au jeu pour avoir quelque chose à foutre, en fait, ça le problème. Ouais, d'accord. C'est. Voilà, tu comprendras, tu je pense. Que... je c'est bon, j'ai trouvé le trou, j'arrive. C'est. Franchement, si je dois connaître la map par cœur pour une session de jeu, je pense que je peux m'en passer. Hein. Franchement, ouais. Ah bah voilà. On est toujours pas bien de position. Les bruits de rugissement, ouais. Et puis... En fait, Brahim, c'est vraiment un trafiquant de potions. Ouais, bah c'est mon dealer, je t'ai dit, gros. Eh, hey, tu veux de la bonne? Brahim, tu peux venir, hein, la Rakhna Kadaki, elle est ailleurs. Putain, oh putain. Merde, non. Mais putain, mais saut de ton loup, trou du cul. Merde. Attention, explosion. C'est bon, il est genre carrément vénère là. Ouais, bon, on sait, on peut laisser attendre. Par contre, moi j'ai envie d'aller bouffer. Hein. Je crois que je vais. Je sais pas si j'ai lâché ma manette pendant que je mangeais parce que. Oh putain, putain! Tu manges pas, Kylian? C'est pas en fait, ça problème, mais ça sent bon. Explosion! C'est bon, j'entends. Macron, explosion! Même temps, j'en ai 3 de 4 déjà. Enzo, explosion, démission. Ouais. Attends, je peux pas mourir. Vous pourriez venir un petit peu aider, 3 secondes, apporter mon petit grain de sel à tout ça. Attention, explosion! Il y a tout! Je vais pardon. T'as une map, non? J'avoue. Merde! Ah, bah je vous ai trouvé, ouais, vous étiez bien dans mon cul. Bah oui, je sais, j'ai toujours raison. Attention, les méga explosion! Recule! Voilà. Allez, what, t'es plus du tout enflammé. C'est le moment, le mec. Explosez, quoi vous. Ah, ça, c'est le petit pain. J'ai réussi pas à grossir. Mais toujours pas le capturer, Kylian. On peut pas la capturer, elle, c'est un dragon ancien. Non, je connais rien, moi, un dragon, frère. Ça va, mais t'as pas besoin d'avoir. Je rappelle les premières monstres en tour que je joue, frère.
Mais oui, mais c'est. C'est comme Couchola et Chameleon, ou. Mais ce que j'en sais, moi. Bah, je sais pas, c'est dans 400 fois qu'on le rappelle. Hein. Ouh, Dodo. Par contre, j'ai déjà été carbonisé par cette flamme, j'ai pris 0 dégâts. Ah là, j'ai pris des dégâts. Elle boite. Elle est en train de boiter là. Ouais, elle est en train de boiter. Ah, mais elle est bientôt morte. Oui, mon passage avec carrément dit, alors on a presque mort. Je sais pas, moi j'ai pas vu ton message. J'ai même ajouté mon grain de sel en mode, les gars, du coup on va pas le capturer. Mauvais chemin. Attends, mais je suis flèche moi, putain. Ah, je suis bleu. Même qu'on est parti sur un débat de bah non, machin, mais du chaud parce que c'est un dragon ancien. Un dragon ancien, on peut pas les capturer. On peut même pas les. Ils prennent pas les pièges. J'ai la train de dormir, j'ai débarré l'explosif. Ouais, moi aussi. D'accord, j'ai raté le. Attendez, parce que. En vrai, si il est en train de dormir, il y a mieux à lui mettre. Hein. Ouais. Si il est en train de dormir, ne tapez pas. Alors, j'ai pris un débris de Magna Malo. Prends un petit truc par terre, Magna Malo, place de Magna Malo direct. Vas-y, quelqu'un explose. Quoi, mais voilà. Quelqu'un attendez, moi je suis pas là. Non mais au pire attends, le frappe pas. Au pire Sorin il lui met un. Ah il est pas frappé. Il a mis un tonneau. Je suis empoisonné. Et j'ai des tonneaux explosifs aussi, j'en ai trop. Mais hein. Quand même Endo, j'ai trouvé un petit truc de Magna Malo par terre, j'ai pris le truc de Magna Malo, direct bah du coup je voyais Magna Malo, j'ai pas compris. J'arrive. Ça va rien. Attends, on va rajouter un autre. Non mais le mec il est trop tonneau explosif quoi. Et on va faire un accueil. Mec quoi. On est en train de lui faire un tir. Ils sont les kunai. Vas-y, c'est Ken qui enlève le coup, c'est ça? Let's go. Qui s'en bat les couilles là? Littéralement, oui. Il est pas content là. Ah, gros, la chatouillant, on dirait. Oh la salope! Le mec, Au début, je voyais pas c'était qui venait ici, j'ai eu peur. Ensuite, j'ai vu Magda Malo, je me suis dit, ok, c'est bon, ça va. Ah, puis chier à crier, ça m'empêche de faire ma musique. Là. Non, tu voudrais pas grouiller ton cul, Magna Malo. J'avoue. Sinon, si tu prends une araignée poupée, tu vas le chercher. Hein. Ah, mais l'araignée. Comment dire que les gens déjà marché à chercher l'araignée poupée. L'araignée, Magna Malo arrive, préparez-vous. Pourquoi tu mets un tonneau? Mick met un tonneau en mode bénéfice. Ah, Arim, c'est quoi tes ordres là? Attention, mini explosion, il y a Magna Malo, il est là. Il s'est barré! Quel salope! Il est venu, il a dit bonjour, au revoir! Mais attends là! Putain, il a pas un marathon! Non mais, on est d'accord que le Magna Malo a pas un marathon, il est parti de la zone 5 à notre zone pour repartir à la zone 5! Ouais. Bah, FC, ils sont forts, c'est bien! Voilà! Pars-toi! Il y en a un qui a besoin de se soigner là! Arim, sonne-toi! Aïe. Moi je suis en train de dire quoi mon petit con là oh. Je sais pas, je te voyais faire un running. Oh la salope. Pardon. Ouh, je vais crever. Dis pas le règle d'Akadaki, je suis d'accord avec toi. C'est bon, je veux pas mourir. Bientôt. Aïe. Sinon j'ai le droit de juste venir 3 secondes avant que tu m'exploses dans la gueule à chaque fois. Attention mec. Mais regardez le Magna Malo. Regardez le Magna Malo, il fait vraiment un marathon. Ah il revient? Ah oui il revient. Et ben, vraiment, il vient mais qui reste en fait, pour qu'il se batte un peu. Attendez les gars, j'ai oublié un truc ici, attendez j'en reviens. S'il repart par contre, j'ai de rire. Hein. Enfin, franchement s'il repart c'est moi la plus grosse tête que j'ai jamais vue. Non mais il repart. Attention méga explosion. Il est fait. Il arrive. Mec il repart en zone 5, il a fait un mec marathon là. Oula qu'est-ce qu'il fait là? Attention mais... Ok. Ah il arrive. Allez, bat-toi, putain! Ils vont se battre là? Pas vraiment. Ah bah d'accord, bah t'es au sort. Ah oui! Oui, si, il se bat. Et puis du coup, le Teostra il va mourir. Bah non, il va pas mourir, je pense. Il va non, il c'est va battre avec le ballon quand même. Ouais, voilà. Aïe, pourquoi moi? Ouais! Ouh, 1200. Ah, vous me le laissez! Ouais, les gars, pour une fois, ils sont pas tombés sur moi. What pour une fois! Je merde! Une explosion de merde! Bah c'est bon! Oh putain! Vie de merde! Putain, j'ai cru qu'on allait crever! Alors, les gars, j'ai mis un coup de morpho! J'ai vraiment cru que j'allais crever!
Non mais les gars, vous voulez rigoler? Donc j'ai mis un coup de morpho H. J'ai... Le seul moment où j'ai un monstre, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il tombe au sol. Par contre, je trouve que tu ne peux pas le Je me retire le tuyau avec un petit coup de hache. Tu mets derrière lui. Je trouve que t'as pas le droit de prendre le truc, t'as servi à rien, toi. Merde. T'as de la chance que je suis pas le mec du serveur, parce que sinon je t'aurais viré. Tu veux me soigner, Sorin? Merci. Beaucoup. Viens là toi, viens là. Attends. Oui bah. Il est lent, hein. Mais Enzo, c'est un exploit quand même. J'ai tué le. Ah, yes. Enfin, j'ai tué du coup le Théo Strike, Enzo, et en plus de ça, je me suis pas fait poncer dessus dans la gueule comme d'habitude. Ouais, c'est toi qui t'es fait poncer dessus. C'est bien que c'était long, on était que 3 en fait. GG. Bah ouais, le truc c'est que ouais, on était que 3 avec une Teostra qui était censé être combattu par 4 personnes. Du coup elle était plus distant. Bah ouais, je sais. Prendre tout. Moi je fais tout vendre parce que j'ai pas besoin. Ouais, j'y vais tout à l'heure. Ouais, ouais, je vais tout vendre. Ça marche, Benap. Saluté. Saluté. Attends, moi je vais faire même si tout trop au KLM. Hey ya! Salut Natsu, comment alors tu vas? Alors Endo, t'as... Du coup, pour cette fois-ci, Endo, t'as fait quoi? Du coup, tu te prendras un Magna Malo plus un autre mob sur ta gueule, du coup. Quoi? T'as fait quoi, du coup? Ça fait mal ou pas de se prendre un Magna Malo plus un autre mob sur ta gueule? Ça passe. Non, Roger, moi, je me le suis pris 3 fois dans la gueule. Ben, ouais, c'était de l'excellent travail que j'ai fait, moi ça va, là on vient de battre un dragon géant, donc ça fait plaisir. Alors, la limite de rang de chasseur est désormais à 999, et je passe de RC40 à RC42. Ah, j'ai pris que ARC en battant à Tesra. Mec, je peux passer RC 999 maintenant. Oui, j'espère que vous avez kiffé ce live, si vous avez aimé, bah, vous pouvez vous la chaîne YouTube, follow la chaîne Twitch, partagez, commentez, clochez, likez. Un dernier mot, Brahim. Je déteste les règles de Kalaki. Ok, un dernier mot, Sorin. Il sert vraiment à rien. Ah, ça fait plaisir, XD. Sans blague, Naxu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui. Pour le Monster Hunter, bref, je parle. Ça fait plaisir, on a quand même combattu le Valstrax. On a quand même combattu la Narwa Ibuchi. Bon, on a perdu parce que Brian a fait de la merde. Et on s'est fait aussi qui déjà? On s'est fait le Kushala d'Aura et on s'est fait la Teostra. Donc on a un beau tableau de chasse là, un beau tableau de chasse rempli pour ce live. Bye, salut Darkness. Donc, merci d'avoir regardé, portez-vous bien et je vous dis game over.